Puis, mettons, c'est le 72e Social Selling Forum, le deuxième en mode festival. Et là, nous sommes à la 15e session sur 24. Vous en avez encore pour toute la semaine, tous les après-midi. Là, on vient de parler d'influencer sans manipuler. Et vos clients vous diront merci. Et maintenant, on va parler de stratégie de vente, de contenu, pardon, en vente complexe. Sujet ô combien intéressant, et dont un de mes sujets préférés. Et c'est Yann Gourvennec qui est avec nous là, qui m'a proposé ce sujet il y a quelques semaines. Yann, nous viendrons après au débat avec tes différents intervenants qu'on ne présente plus, mais qu'on présentera tout à l'heure. Et on va tout de suite commencer avec toi, Yann, pour une keynote d'introduction de cette session. Merci Yann, vas-y. Bonjour Loïc, bonjour à tous. C'est même plus un festival, là, c'est carrément un marathon. Et c'est toujours aussi stimulant. Merci de ton invitation. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Parfait. Impeccable. Voilà, alors j'ai une mission, je ne vais pas dire impossible, mais une mission difficile pour moi, c'est de parler dans un temps contraint, puisque j'ai 15 minutes. Pour, 20, allez, 20 maxi. Si oh, j'en ai 20, c'est fantastique. Pour vous parler de quelques conseils pour votre stratégie de contenu. J'ai l'impression que le sujet est assez finalement contigu avec ce que disait Frédéric tout à l'heure. On a parlé de. J'ai écouté avec attention. On a parlé de nudge. Moi non plus, j'aime pas tellement ce terme de nudge qui a tendance en plus à avoir pas mal de teintes. De manipulation ou autre, enfin, c'est quelque chose qui est assez sombre. On a parlé d'influence, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Et je ne suis pas sûr non plus de l'aimer d'ailleurs, influence sans manipuler, ça me parle déjà un petit peu plus. Moi, j'aime bien parler de leadership d'opinion, parce que c'est ça qu'on essaye de faire souvent en stratégie de contenu autour de la vente complexe. Et puis finalement, effectivement, je suis d'accord avec Frédéric Bascugnana, on n'a pas besoin d'essayer de se mettre en valeur, de faire que ce soit des talents qui sortent. Il faut simplement cultiver son jardin. C'est ça que j'aime bien dans ce métier. C'est quelque chose de très humble, finalement. Et je pense que le marketing et la vente dans le monde de la vente complexe, c'est quelque chose qui s'adresse justement à ces gens qui font leur travail proprement, professionnellement, et qui s'imposent par la qualité de leur contenu et la qualité de la valeur qu'ils apportent à leurs clients, sans avoir à faire des esbroufs, sans avoir à en raconter, sans avoir à faire de nudge ou y chercher des solutions complexes, comme disait Frédéric. Alors j'ai un petit QR code sur la droite qui vous permet d'aller sur le billet qui résume cette présentation, qui est assez simple, si j'arrive à passer à la suite. Voilà, tout tient en une page, c'est assez simple et ça devrait, si je ne suis pas trop bavard aujourd'hui, tenir dans les 20 minutes. Alors, quels sont mes conseils, sans volonté d'exhaustivité, bien entendu, et en toute humilité, parce que certainement j'ai oublié beaucoup de choses. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de rassembler mes expériences sur le terrain, notamment auprès de plus de 80 clients du B2B et de la vente complexe chez Visionary Marketing depuis qu'on l'a lancé. Nous sommes dans notre 8e année, donc ça commence à faire. Et puis, on va parler effectivement de stratégie de contenu. Je vais commencer par là. D'abord, 8 conseils sur le fond, 6 conseils sur la forme, ce qui fait 14 au total. Et on va commencer par cette histoire de stratégie de contenu. On parle souvent de vocabulaire, Frédéric l'a évoqué. Et on reste souvent bloqué. Alors, dans l'inbound marketing, le content marketing, alors là, c'est carrément le summum, puisqu'on a une dizaine de noms pour exprimer à peu près la même chose. Et pourtant, ils sont tous un petit peu différents. Ils veulent tous dire un peu quelque chose de différent. Et notamment, la stratégie de contenu, ce n'est pas un mot qui est, anodin. Le mot stratégie, il indique qu'on cherche véritablement à réaliser quelque chose, qu'il y a un but, qu'il y a un objectif, et qu'on va utiliser un certain nombre de tactiques, de moyens, c'est la stratégie, pour atteindre ce but. Et ça, c'est très important, parce que ce que je vois souvent sur le terrain, malheureusement, il y a ceux qui comprennent le content marketing, il y a ceux qui essayent de le comprendre, il y a ceux qui rattrapent le mouvement, et puis il y a aussi ceux qui deviennent des content zombies, ça on en voit beaucoup.
sont des gens qui ont eu un jour une stratégie de contenu, puis qui finissent par oublier pourquoi ils font les choses ou qui oublient de se remettre l'objectif sur la table de travail. Et ça, c'est très dommageable. Ce qu'il faut comprendre dans une stratégie de contenu, si on veut réussir sa stratégie de contenu en vente complexe, c'est qu'on est dans un ultra trail et on n'est pas dans des campagnes. Ce terme de campagne, en dehors du fait qu'il soit un terme militaire et très désagréable, c'est un terme qui est à bannir. Ici, on est véritablement dans des stratégies de contenu, pas dans des situations où on fait de l'outbound marketing. Hein, si on veut absolument aller chasser les leads, à ce moment-là, il y a d'autres techniques qui sont tout à fait honorables, pas au même prix, et qui demandent aussi, qui exigent également beaucoup de travail. Donc ici, on est dans la stratégie de contenu et c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Hein, ceux qui ont inventé ça, c'est John Deere. C'est d'ailleurs des gens qui sont dans le B2B. Ils vendent des machines agricoles. C'est quelque part, c'est déjà de la vente complexe. Et ils font ça depuis 120 ans. Donc s'ils font ça depuis 120 ans, si vous avez une stratégie de contenu, il faut vous y tenir. Et surtout pas vous investir pendant un an, pendant 2 ans, et puis jeter le site web ou le blog au cachot et puis passer à autre chose, parce que ça n'a aucun sens. Alors, une stratégie de contenu, ce n'est pas un mot, encore une fois, anodin, et ça ne veut pas dire contenu sans stratégie. Hein. Donc, produire, c'est bien, mais être obsédé par le contenu à produire, ben, ça ne sert à rien. Donc, revenez toujours à cette idée de but, à cette idée d'objectif. Ensuite, le troisième point, bah, finalement, on revient à cette histoire d'influence. Moi, j'aime bien le terme expliquer, c'est un terme simple, tout le monde le comprend, il n'y a pas besoin d'expliquer l'explication. C'est quelque chose dont on a toujours besoin en vente complexe, parce que je tourne autour aussi encore de ce que vous avez dit tout à l'heure, les besoins, la demande réelle. Vous savez, bien souvent, dans nos domaines, il n'y a pas de besoin et il n'y a pas de demande réelle. Souvent, on est obligé de faire naître cette demande. On fait naître cette demande parce qu'on est souvent dans des domaines innovants, complexes, où il faut argumenter, expliquer, et souvent en amont de choses qui se réaliseront par la suite. Donc, c'est à ça aussi que servent beaucoup les stratégies de contenu en vente complexe. D'ailleurs, en vente pas complexe également, mais c'est dans nos domaines, c'est absolument indispensable parce que nous avons des domaines qui sont plus techniques, plus complexe, justement, plus complexe, qui ne veut pas dire compliqué d'ailleurs, au passage, hein, qui veut dire avec beaucoup d'interactions, ça vient du latin complexus, et donc qui veut dire en fait liaison entre beaucoup de domaines différents. Alors, plutôt que d'être influenceur, parce que ça, influenceur, ce n'est pas vous qui déciderez, hein, ce sont vos lecteurs, ce sont vos clients, ce sont vos prospects, ce sont peut-être votre voisin qui parlera à son voisin, qui parlera à son voisin, qui parlera à un client. Et ce sont eux qui décideront que vous êtes un influenceur. Vous allez chercher simplement à être leader, de façon bien, bien humble, c'est-à-dire à emmener les gens quelque part, hein, sur un chemin, et qui est un chemin de connaissance, d'amener un point de vue original. Et ça, c'est très important. Un point également crucial, alors ça, celui-là, on n'en finit pas de l'expliquer à tous nos clients, malheureusement, mais bon, il y en a qui comprennent, heureusement, mais tous ne comprennent pas, c'est que moins vous vendez, plus vous vendez. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, et on veut toujours ramener dans les stratégies de contenu, alors vous allez me faire un lien vers mon produit. Ben non, on ne va pas vous faire un lien vers votre produit, alors c'est non, parce qu'on n'est pas là pour vendre votre produit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas parler du domaine de votre produit, on ne va pas parler du domaine de votre service. Au contraire, on va documenter ce qu'il y a autour et naturellement, forcément, on comprendra que ce que vous vendez est pertinent. Ou alors, c'est que votre stratégie de contenu est à côté de la plaque et vous parlez d'un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Ensuite, je vois souvent confondre sur le terrain veille, curation et ce que j'ai appelé doxographie. C'est pas pour paraître intelligent, c'est un terme de philosophie qui veut dire simplement qu'on cite des gens sans jamais donner son avis. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. C'est intéressant, la veille et la curation, c'est important.
Mais ce n'est pas ça qui va établir le leadership d'opinion. Je n'ai pas dit l'influence, hein. Ça, encore une fois, ce n'est pas vous qui décidez. Mais à partir du moment où vous allez apporter un plus sur cette veille et cette curation, alors là, vous allez apporter de la valeur, vous apportez quelque chose qui marquera sur votre marché. Alors ensuite, point qui me paraît important également, c'est pour tous ces clients qui sont en vente complexe, souvent ils sont sur des marchés internationaux et on leur explique qu'il faut qu'ils aillent vendre à l'international, ou ils se le disent eux-mêmes d'ailleurs, ce qui est très bien. Et bien entendu, ils se mettent à écrire la langue de Shakespeare, ou en fait quelque chose qui ressemble vaguement, et qui souvent, malheureusement, ressemble à du globish. Et là, ils sont tout étonnés que personne ne les lise dans des pays anglophones, parce qu'on est très exigeant et très à cheval sur la qualité du contenu. L'inverse marche aussi, d'ailleurs. J'ai vu des livres blancs américains fort honorables, traduits en français plus ou moins littéralement, et faire des bids totaux en France, parce que d'abord, ils sont écrits souvent très mal, et ensuite, il manque le dernier kilomètre, l'adaptation à l'environnement qui est le nôtre. Donc, quand on a un contenu, il faut être capable de l'adapter, de le contextualiser, c'est très important. Sinon, ce qu'on fait, c'est simplement du blabla et du contenu, et non pas de la stratégie de contenu. Alors, j'ai dit qu'on parlait pas de ces produits. Moins on vend, plus on vend. Oui, mais ça n'empêche que, allez voir n'importe quel blogueur. Je me souviens avoir fait ça avec Chris Brogan en son temps quand il bloguait beaucoup. On pourrait le faire aussi avec Visionary Marketing si vous êtes intéressé. C'est que quand on écrit un article, même si je ne parle pas de produit ou de mon service, j'ai quand même une idée derrière la tête. Sinon, je fais de la littérature, ce qui est très bien d'ailleurs. J'aime beaucoup la littérature. Mais le content marketing ou les stratégies de contenu, c'est quelque chose de très différent. On va essayer d'amener autour de nos sujets de façon détournée et soft, sans forcer la main. Mais ça reste quand même du marketing. Il faut pas s'en cacher. Donc, méfiez-vous de cela. Contenu, oui. Contenu pour vendre, oui, mais pas n'importe comment, il faut être subtil, et c'est là que ça devient difficile. Alors le contenu et l'actualité, ça aussi c'est important, parce que souvent on pense qu'il faut sauter sur l'actualité pour être intéressant. Mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure, pour être leader, il faut adopter un point de vue original. Et si votre point de vue original, c'est de reprendre les news de l'AFP et de les traduire sur votre blog, en général, ça marche pas parce que tout le monde le fait. Donc, il faut être capable, parfois, mais pas tout le temps, de prendre du recul par rapport à l'actualité, de savoir trouver un angle, exactement comme on le ferait dans le journalisme, même si, je le répète, les stratégies de contenu ne sont ni du journalisme ni de la littérature. Alors, ça, ce sont les conseils sur le fond, et puis j'ai quelques conseils sur la forme. Et je vois que je suis encore à peu près à l'heure, puisque j'ai 1 minute par conseil, et que ça devrait m'amener à peu près à 20 minutes passées 17 h, ce qui nous permettra de discuter ensemble et d'échanger, ce qui est l'essentiel de ces forums et qui les rend agréables. Alors, la première chose, mon premier conseil sur la forme, c'est de sortir de l'eau. Il n'y a rien de pire que ce que j'appelle les livres blancs, tout blancs. Vous savez, ces bidules qu'on voit qui sont là pour faire de l'hameçonnage, pour prendre votre précieuse adresse email. Mais à la fin, quand vous l'avez lu, vous vous demandez pourquoi vous l'avez déchargé. Ça ne vous a rien appris, ça ne vous a rien dit. Il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de point de vue original. Bon, ce n'est pas avec ça que vous allez être leader d'opinion. Donc, il faut faire très attention, le livre blanc. Il y a 10 ans, ça pouvait paraître nouveau pour certains. Aujourd'hui, c'est tout sauf nouveau. Donc, si vous apportez quelque chose, que ce soit sous la forme d'un livre blanc ou pas blanc d'ailleurs, un livre tout court, pourquoi pas, d'un document, d'un contenu. Un contenu d'ailleurs, ça ne se limite pas à des livres blancs. Il faut que ça sorte du lot. Ça peut sortir du lot d'un point de vue du fond, mais aussi du point de vue de la forme. Et vous pouvez utiliser notamment beaucoup le graphisme
Et les métaphores, ça c'est quelque chose qui est souvent oublié dans les entreprises. On aime bien représenter, notamment en B2B, on aime bien représenter des photos de jeunes, de gens, des hommes et des femmes avec des attachés caisses qui se serrent la main et qui, c'est pas très intéressant en fait. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de ne pas s'épuiser. Encore une fois, les content zombies, ceux qui font du contenu sans stratégie, au bout d'un moment, ils s'épuisent. Ils produisent, ils produisent, ils produisent. Et ça peut venir de, surtout s'ils ne sont pas très bien organisés. Et ici, volontairement, j'ai occulté tous les conseils sur l'organisation du travail, hein, parce que sinon, là, ça nous emmènerait jusqu'à la fin de la nuit. Donc, il faut faire attention de ne pas s'épuiser. Il faut être malin, il faut s'organiser, il faut travailler avec, dans un principe d'effectuation, c'est-à-dire en fait travailler le moins possible pour produire le plus possible. Alors là, il y a plein de méthodes. En vente complexe, c'est relativement simple en fait. C'est plus facile qu'en grand public parce qu'on s'appuie beaucoup dans nos métiers, qui sont des métiers un peu, oui, on peut dire le mot, un peu technique. Ça peut être technique dans tous les sens du terme, hein, un peu de technique dans le sens marketing du terme. Ce sont des métiers d'expertise. Et dans les métiers d'expertise, ben, vous avez des experts. Et souvent, le marketeur n'est pas le mieux placé pour être l'expert et pour parler sur un sujet complexe. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il doit savoir apprendre à faire, sauf si lui est déjà un expert, hein, mais à condition de ne pas s'épuiser non plus, eh bien, ce qu'il faut qu'il apprenne à faire, c'est d'aller chercher les autres, d'aller les stimuler et de les faire travailler en réseau. En fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est mon troisième conseil. C'est d'aller les chercher, les faire travailler et de les inciter. C'est un métier, en fait, de conduite du changement, hein. Il suffit de trouver quelques personnes qui ont envie de travailler avec vous et qui sont passionnées. Et ça marche tout seul. Il n'y a rien à faire de particulier. Ce n'est pas un effort surhumain, c'est très très simple. Alors ensuite, l'ABM et les contenus personnalisés. Ici, encore une fois, dans ma volonté de ne pas être exhaustif, j'ai zappé l'ABM, qui est pourtant une méthode que je prône, notamment en vente complexe, parce qu'elle est particulièrement intéressante et beaucoup plus intéressante que l'inbound marketing. Je vous renvoie aux différents articles sur ce sujet, sur Visionary Marketing. Ici, on va zapper. On va simplement s'appesantir sur un des conseils qui est donné dans les méthodes ABM qui demande de personnaliser le contenu, je dirais jusqu'à l'extrême, jusqu'à une personne, faire un contenu pour une personne. Alors, ça, il faut faire très très attention parce que vous risquez vite de vous épuiser justement à devenir le content zombie et essayer de produire des tonnes de contenus qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt sur des tas de gens qui n'ont pas forcément envie de les lire. Donc faites attention à ça, il y a des méthodes beaucoup plus simples de regroupement des contenus, vous n'êtes pas obligé de tout personnaliser jusqu'à la personne qui va le lire, et puis il y a des petites astuces à trouver, mais bon, ça on traitera dans un sujet dédié à l'ABM, certainement Chloé devrait en faire un. Alors, adopter le content repurposing, c'est bon, je ne peux pas trouver le terme en français, peut-être le recyclage du contenu, ce n'est pas très très joli. Vous avez un contenu, moi je passe beaucoup de temps sur les contenus multimédia. Alors maintenant, ça fait 20 ans que je fais des podcasts, et 20 ans qu'on dit un jour ça va marcher, ça ne marchait pas. Et puis maintenant, je peux vous dire, ça marche vraiment vraiment beaucoup. Les podcasts de Visionary Marketing, c'est des dizaines de milliers de téléchargements. J'en suis surpris moi-même, je vois le truc décoller, on ne sait pas pourquoi, ça y est, ils ont découvert l'astuce pour pouvoir cliquer sur les boutons et ça marche très très bien. Ça a même bien décollé encore plus pendant cette période de confinement pour des raisons que je ne m'explique pas trop, mais bon, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Partez de ces contenus multimédia, et à partir d'un contenu multimédia, je vais prendre une vidéo par exemple, une vidéo, vous sortez un podcast, vous sortez un texte, vous sortez vous pouvez sortir plusieurs vidéos différentes, une vidéo courte, une vidéo longue. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 150. Vous partez d'un contenu, vous faites 3 ou 4 contenus différents qui vont vous permettre de recycler la même chose de façon différente. Et donc, du coup, chacun va aller la consommer de la manière la plus adaptée à son habitude. Et puis, le dernier point, eh bien, c'est là que je vais m'arrêter.
parce que je pense que il est 17h20, je suis donc à la fin de mon temps. Le contenu ne s'arrête pas à l'écriture. Et pourtant, je vois souvent, dans les discussions que j'ai, ça s'arrête souvent à ça, et c'est bien dommage. Il faut penser à beaucoup d'autres choses. Le contenu, c'est aussi... Là, on a parlé de contenu de fond, de contenu profond, on va dire, mais n'oubliez pas les contenus produits. Une chose que je vois beaucoup faire chez les clients, c'est je les vois écrire des blogs comme des fiches produits. Hein, il faut écrire avec 800 mots, 801 mots, à 802 mots, on s'arrête. Bon, je n'ai pas compris pourquoi, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être passionné, donc il n'y a pas de nombre de mots, d'y aller. Il n'y a pas de règles. Au contraire, les contenus très très longs se partagent beaucoup mieux. Et puis, de l'autre côté, je les vois écrire des fiches produits comme des blogs. Alors là, ils y vont, 3000 mots, 4000 mots. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Le produit, le contenu, ça ne s'arrête pas à l'écriture et ça ne s'arrête pas non plus au contenu profond. Pensez au parcours de démonstration, pensez au contenu innovant, pensez au BD, tiens, par exemple. C'est peu de clients qui acceptent ce genre de choses, en tout les trouvant un peu trop innovantes et pourtant, c'est justement un moyen de sortir du lot et de faire des choses originales. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter et je vais repasser la parole à Loïc, en espérant que je n'ai pas dépassé mon temps. C'est super, Yann, ça fait la deuxième fois que je t'écoute et j'adore. En fait, je continue à adorer cette présentation très simple, très didactique. Vraiment, merci, hein, merci, merci. Enfin. Alors, on va passer au débat avec un panel assez intéressant. Mais déjà, si l'un d'entre vous veut réagir par rapport à ce que notre ami a partagé, je vais poser la question Thierry. Non, là, pour l'instant, c'est les débatteurs, hein, c'est ceux qui débattent. Hein. La question dans la salle, ce sera un peu plus tard. Donc, Thierry Coulemain, est-ce que tu veux réagir sur ce que Yann a partagé, rapidement? Oui, avec plaisir. Bah, déjà, c'était... Après Cécile, ce sera bien. Et c'était déjà passionnant et je pense que au niveau de tout ce qui a été dit, on a 99% de réussite et j'avais simplement à renchérir sur le point de faire travailler d'autres personnes et sur le point en travaillant sur d'autres personnes de se dire aussi qu'on va parler à simplement quelques personnes et là je commence à passer sur LinkedIn tranquillement puisque là tous ces conseils c'était sur le contenu en général, les blogs, les sites, voire les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus agréable que de lancer un sujet en effet bien personnalisé et d'aller chercher les gens pour qu'ils réagissent. Ou évidemment, à l'inverse, sur quelqu'un qui a fait un magnifique sujet, et bien d'apporter son éclairage, surtout si vous travaillez dans le même écosystème, et de cet éclairage, vous allez donner la diversité de un peu l'exégèse ou une façon de voir légèrement différemment l'angle d'attaque du poste. Et ça, c'est magnifique, passionnant. Et je pense que Yann ne me contradira pas en disant que c'est une façon justement d'intéresser son auditoire, son audience, et qu'on peut petit à petit réduire à quelques prospects. Pour être particulièrement efficient dans la prospection après. Je me tais. C'est vraiment très pertinent ça. Je rebondis sur ce que dit Thierry. J'aime beaucoup ce que tu dis. D'abord, tu as raison. Ce qui est passionnant, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment pour cette histoire d'influence. Parce que dans ce terme d'influence, sous-entendu, plus ou moins consciemment, il y a l'idée qu'on va forcer la main à quelqu'un à aller quelque part. Le vrai influenceur, celui qui ne décide pas qu'il est influenceur, mais dont les autres décident qu'il est influenceur, il ne fait jamais ça. Il propose quelque chose, il échange, et il échange, comment dire, en profondeur, avec humilité et avec sincérité. Et il est à l'écoute des autres. Un truc qui m'avait frappé, que j'avais fait une présentation en Angleterre il y a très longtemps avec George Cox, qui était un grand analyste anglais. Et je me souviens, dans la salle, il y avait plein de gens qui parlaient. Et lui, alors que c'était le meilleur, il était là et il notait tout ce que je disais.
Il était très humble, il écoutait les autres. Et je pense que c'est ça les vrais influenceurs, c'est les gens qui savent écouter et qui savent. Et alors, par rapport à ce que tu dis, il y a un truc qui m'énerve particulièrement, c'est la course au nombre de vues. En fait, on s'en Ah, fout. oui. On s'en fout complètement. Ouais, moi j'ai fait un article, il a fait 20 000 vues, mais on s'en contrefout. Oh, ok, on continue, Contrefou. si tu veux bien, Yann, Ça, c'est très avec... vrai, mais c'est ce que C'est dit Thierry est important. très intéressant. Je pense qu'il mériterait de Oh. fouiller. Et on en parle souvent d'ailleurs. Cécile, Cécile Paillard, mets ton micro. Mets ton micro. Ah, tu voulais Oui, parler, vas-y. je mets mon micro. Vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Bonjour à tous. Je suis très en phase aussi avec ce qu'a dit Yann, mais ça va être difficile d'innover après une présentation aussi complète. Alors moi, j'ai retenu un des premiers termes que tu as employé quand tu parlais de leadership d'opinion. Et ça m'a ramené quelques années en arrière quand j'exerçais dans un cabinet d'avocats international et notre siège à Londres, qui était forcément un petit peu plus, on va dire, avancé sur des sujets de business développement. C'était le terme un petit peu chic pour parler de marketing et de communication, avait décidé qu'on allait faire du thought leadership. Donc, le truc nous est arrivé en Europe, on nous a dit on va faire du thought leadership. Et là, on a passé à peu près 6 mois avec mes collègues des différents bureaux européens, mais juste à essayer de comprendre le terme. On n'arrivait pas à le traduire en français, c'était totalement intraduisible. Et on est, effectivement, on a compris parce que c'était fait à l'anglaise, c'est-à-dire de manière pragmatique et plutôt bien faite. On a compris que ça consistait à créer du contenu, à prendre position et à apporter de la valeur aux clients sur des sujets finalement pas directement liés au service qu'on vendait et qui nous permettaient de nous positionner comme des experts. Donc en fait, c'était le thought leadership, et ça je l'ai compris après, c'était tout simplement de la stratégie de contenu à la sauce anglaise en plus chic. Et j'ai trouvé que ça avait beaucoup de valeur, notamment dans le secteur où j'exerçais. Pour plusieurs raisons, les avocats ont un certain nombre, enfin ont un cadre réglementaire pour communiquer, ils ont besoin de valoriser leur expertise, mais en général, ils ont quand même beaucoup de mal à parler de leurs clients. C'est encore plus vrai en contentieux, comme vous l'imaginez bien, dans certains domaines. Donc, il fallait qu'on trouve en fait des contenus pour prendre la parole et pour nous positionner comme des experts. Et on revient sur la notion de moyen long terme, hein, pas que des experts sur le temps présent, mais également sur les évolutions du marché, sur des évolutions législative en l'occurrence, ça peut être technique. Et donc le thought leadership nous permettait de prendre ce recul-là. Et ce qui m'a frappé, c'est un jour un client qui nous, en le formulant avec ces mots, et j'ai trouvé la formule très très bonne, nous a dit, mais nous, en fait, vous vous rendez pas compte, nous, on est le nez dans le guidon, dans notre secteur, dans notre boîte. On ne voit que notre entreprise et au mieux notre secteur d'activité. On a besoin de gens comme vous, les avocats, hein, le cas présent, qui avaient cette vision un peu de tour de contrôle. Vous avez une vision sectorielle sur plusieurs secteurs, vous avez des coups d'avance, vous voyez ce qui se fait chez les copains à droite à gauche, et nous, on a besoin de ça, on recherche ça. Et ça peut se traduire sur de la création de contenu un peu intelligente, sur des sujets un peu plus globaux, et pour rejoindre Yann de manière subtile. Mais merci, merci Cécile pour ce premier partage. Yves Blandio, tu nous rejoins. Toi, tu es plutôt du côté des ventes comme moi. On ne se connaît pas encore. Vas-y, mets ton micro, Yves. Mets ton micro. Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, bonsoir à tous. Effectivement, moi je rentre dans le contenu par l'angle de la vente et de la vente complexe. Et si j'écoute Yann, évidemment, moi je connais bien Yann, donc je suis bien d'accord avec tout ce qu'il raconte. Donc je vis parfois un peu dans son esprit, donc je ne suis pas surpris par ce qu'il raconte. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, en tant que vendeur, c'est qu'effectivement, je vais devoir convaincre sans manipuler. Donc, Frédéric parlait sur la session précédente, hein, de persuader sans manipuler. Moi, j'aime bien le terme convaincre. Et convaincre sans manipuler, il va falloir développer des nouveaux contenus pour engager ses clients, parce qu'il va falloir les surprendre, hein, ce que tu disais, Yann, avoir des points de vue un peu originaux, un peu innovants. Si on engage son client en vente complexe pour rien lui apprendre et pour ne pas le surprendre, ben, on a perdu l'enjeu. On va devoir aussi l'engager pour réfléchir avec lui sur son futur à lui.
Et donc là également, le vendeur de base, il a un peu de mal, il a besoin d'être nourri par un contenu intelligent pour le faire, comme Cécile le disait, de façon subtile, je dirais. Il ne faut pas arriver avec ses gros sabots. Et puis, il va falloir aussi toucher cet interlocuteur que l'on veut convaincre sans manipuler. Il va falloir le toucher au cœur et pas que à l'esprit. Et donc là également, il y a tout un foisonnement de contenu. Et je pense à ABM, évidemment. Yann, tu as parlé de l'ABM, et de voir en fait comment le marketeur et le vendeur collaborent ensemble pour délivrer un contenu qui va faire mouche et qui va convaincre sans persuader. Voilà, eh bien, on va y revenir parce que c'est un des sujets du débat. Alors, je vais donner la parole à Christophe Courtois, qui représente une société, une grosse société dans l'informatique. Christophe, vas-y. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Bienvenue. Donc, merci de me donner la parole. Je suis honoré d'être entouré d'aussi rapidement, spécialistes. Donc, moi, je suis dans une entreprise qui est dans le B2B, dans la vente complexe, et je m'occupe du marketing. Donc, je suis au cœur du sujet. J'ai écrit un petit article, d'ailleurs, sur le sujet que je vous ai joint dans le chat. Je ne sais pas si vous avez regardé. Où je reprends pas mal de choses. Donc, je rejoins ce que tu dis, Yann, évidemment. J'ai rajouté aussi des éléments que je suis allé pêcher chez Jean-François Messier, notamment sur les types de contenus adaptés à la maturité du prospect dans son cycle d'achat. Donc, ça m'a beaucoup inspiré et ça nous a permis de créer des contenus qui sont adaptés vraiment à chaque type de client, soit passifs, qui soient intéressés, qui soient engagés, qui soient en mode achat. C'est vrai qu'historiquement, les contenus qu'on avait, c'était surtout par rapport aux clients en mode achat, des brochures, des choses comme ça. Et que depuis quelques années, on a vraiment beaucoup développé d'autres choses, des avis d'experts, des études de marché, des benchmarks, des références clients, des témoignages clients, des tutos aussi. Et donc, on a adapté ces contenus sur 5 profils, donc les 4 dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi un dernier profil qui est le client de solutions cloud, puisqu'aujourd'hui, on a besoin d'amener des nouveaux types de contenus pour des clients pour les inciter à l'usage. Donc, ces contenus au niveau des tutoriels, des didacticiels, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau depuis quelques années déjà. Merci, Christophe. Alors, Jean-Philippe, tu réponds à ma question, toi, c'est par rapport à ce qu'a partagé Yann, quelle est ta réaction ? Écoute, j'échange énormément avec Yann en ce moment sur tous ces sujets de modernisation des contenus. Et c'est un plaisir de le faire, c'est toujours très enrichissant avec Yann. Le point de vue, par exemple, quand on parle d'un livre blanc, c'est de dire que est-ce que j'ai envie d'avoir un article écrit que je vais devoir lire parce que quand je lis, je ne peux rien faire d'autre ? Ou est-ce que j'ai envie, dans un livre blanc, d'avoir un article lu et de pouvoir cliquer sur un bouton pour écouter l'audio, ce qui me permet de faire autre chose. Est-ce que j'ai envie d'avoir donc plusieurs formats ? Est-ce que j'ai envie d'avoir la vidéo ? Tout à l'heure, Yann disait, on peut filmer une vidéo, la transformer en podcast et en faire un article. Peut-être qu'il faut commencer à distribuer tous les formats. Si je lis Harry Potter, et puis ce format-là, ce livre blanc, qui va écrire les contenus ? Est-ce que ça va être la communication, les commerciaux ? Est-ce que ça va être du user-generated content ? Est-ce qu'on va demander de plus en plus à tous passer devant la caméra, devant le micro, devant ceci, cela, y compris des témoignages clients avec nos clients. Éditer des vidéos jusqu'à présent, c'était très compliqué. Mais il y a de nouveaux outils, comme par exemple Type Studio, qui permet d'éditer une vidéo automatiquement, juste en éditant le texte. Vous filmez, vous parlez, ça vous enregistre. Vous avez un texte, vous coupez au moment où vous voulez, ça fait le montage automatiquement. Donc, le montage professionnel restera une expertise de professionnel, ça c'est certain. Mais on voit depuis un an, depuis janvier, depuis le Covid, on voit toutes les startups se créer de par le monde et chercher des nouvelles solutions qui vont énormément simplifier la création de contenu. Merci. Alors, je voulais terminer exprès par Philippe de Liège, mon belge favori. Alors maintenant, il y a Blandio, Yves également, qui est belge. Donc, Philippe, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ce que toi, tu as retenu de ce que Yann a partagé ? Oui, mais je vais d'abord féliciter Cécile, parce que je ne sais pas si c'est elle qui est responsable de ça, mais il faut savoir que SPI ICS France a configuré, à mon avis, le meilleur Twitter en termes de curation intelligent dans l'IT. Et donc, merci à elle, parce que ça me permet en fait d'alimenter pas mal de trouver de bons sujets pour pas mal de mes clients. Donc, merci. Et c'est, pour moi, c'est un des meilleurs, si pas le meilleur dans l'informatique. Donc, bravo.
En ce qui concerne Yann, si je peux me permettre d'être légèrement critique, c'est bon, dire ce qu'il ne faut pas faire, bon, ça, on s'en fout un petit peu, quoi. Ce qui est intéressant, c'est savoir ce qu'il faut faire. Également, ben, on parle de contenu. Ben, la première chose quand on fait du contenu, je pense que c'est définir les mots. Bon, inbound marketing, tout le monde connaît, etc. Peut-être. Ou alors les gens n'ont pas toujours Parle plus la. fort de ton micro, plus près Faut de ton acheter, micro. ce qu'il faut faire, c'est acheter un micro avec une meilleure qualité de son, mon cher Philippe. Parle plus Donc, près de ton micro. il y a donc le l'inbound marketing. En fait, chacun a une définition, etc. Donc, chacun a la sienne. Donc, je pense qu'il faut quand même définir les choses. Bon, ABM, moi, je m'y suis intéressé. Je suis un sales, mais donc, voilà, c'est une discipline marketing. Donc là, je pense qu'il faut quand même pour montrer l'exemple, quoi. Je pense qu'il faut quand même commencer par définir les mots. Alors, moi, je suis toujours très surpris de voir que le marketing refuse de faire du marketing. Le marketing, c'est, à mon avis, quand même faire proposer de l'enchantement. Et pourquoi s'amuser à uniquement faire des contenus qui parlent des produits, qui définissent les choses, qui définissent les process? Honnêtement, on s'en fout un petit peu, quoi. À la rigueur, c'est le commercial qui va expliquer ça, les choses, etc. Le principal avantage du marketing, c'est de donner envie d'acheter la marque. Et de rencontrer le sales. Alors, là, j'ai entendu aussi dire que c'est important d'écrire des contenus pour les commerciaux. Ben, moi, j'ai jamais vu un collègue. Moi-même, j'ai très peu lu les contenus proposés par le marketing. Et donc, je me suis toujours sorti. Ben, voilà, moi, je me suis toujours concentré sur l'émotion que je pouvais générer avec le client, la relation et les fiches produits m'intéressaient très, très peu. Et donc, là, je pense qu'il y a quand même un gros différentiel entre. Enfin, on fait du marketing un peu pépé, quoi. Et il n'y a pas moi, je rêve d'un marketing en B2B qui bouscule les codes, qui donne envie. Alors, il faut savoir que quand on regarde les marques qui fonctionnent très, très bien, quand on regarde Apple, voilà, moi, je suis très mal équipé en termes d'informatique, etc. Je ne suis pas un geek. Je viens d'acheter un nouvel Apple, un smartphone. Il y avait trois lignes de contenu, quoi. Donc, ils arrivent, ils ont une capacité de synthétiser les choses remarquable, quoi. Et comme par hasard, Apple dégomme tout le monde en termes de communication. Donc c'est quand même plus c'est court, mieux c'est, quoi. Donc c'est bien faire des articles longs. Une autre chose, c'est que ben, bon, quand on regarde des sites web qui fonctionnent, Blablacar, enfin tous les trucs où on demande de passer à l'action, Uber, il y a pas de contenu, ça marche, quoi. Donc il faut Oh. se poser la question. Voilà, je Ok, passe le Philippe, micro. c'est très bien. Tu fais le poil à gratter aujourd'hui. Tu représentes la vente d'une certaine. Non, je voudrais que d'abord Yann, tu fais la synthèse de ce que tu as entendu de nos différents amis et tu réponds. J'ai bien aimé ce qu'a dit Cécile sur le leadership d'opinion. C'est effectivement, c'est pragmatique. Bon, je sais pas, moi j'ai travaillé longtemps en Grande-Bretagne, donc j'ai un peu cette pratique aussi. Je cherche pas trop à comprendre, je fais les choses. Alors, je suis un peu l'inverse de Philippe de Liège. Je suis désolé, je n'ai pas défini l'inbound marketing. Puis, en fait, je m'en fous complètement parce qu'effectivement, il y en a 250 définitions. Il y a même notre ami Joe Pulizzi qui a interrogé tous ses copains pour leur demander quand est-ce qu'on utilisait l'un, quand est-ce qu'on utilisait content marketing, quand est-ce qu'on utilisait ceci, quand est-ce qu'on utilisait stratégie, etc. Et il est arrivé avec une sorte de Bloubi Boulga à la fin où il a dit, bon, finalement, tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et puis, bon, finalement, ça dépend à qui on parle. Enfin, bref, ce n'était pas très, très intéressant. Et je trouve, franchement, si ça ne concerne pas un client ni un prospect, eh bien, ça n'a pas grand intérêt et on s'en fout un peu. Enfin, Bah alors, il ne faut pas moi, en utiliser tout le mot, cas. alors. Pardon? Il ne faut pas utiliser Philippe, le mot, alors, si ça ne sert à Philippe, rien. On n'entend laisse. rien ce que tu dis, excuse-moi. Je dis qu'il ne faut pas utiliser le mot, alors, si le mot en lui-même ne signifie rien. Ce n'est pas Ok. moi qui ai utilisé ce mot. Hein. Bon, ici, on va pas rentrer dans les détails des définitions parce que, enfin, on peut, hein, si tu veux. Hein, j'en ai écrit des pages et des pages sur ces sujets-là, mais je pense pas que ça fasse avancer la vente complexe d'un pouce. Ensuite, tu dis l'ABM est une discipline marketing. Erreur. L'ABM n'est pas une discipline marketing. C'est une discipline conjointe, justement. C'est ça qui en fait que c'était quelque chose d'intéressant. Et quand tu dis j'en ai rien à foutre des fiches produits, bah, ça tombe bien, l'ABM, c'est pas ça, donc c'est pas de ça que je te parle. Après, quand je dis qu'il faut avoir des sites où il y a des fiches produits qui sont. Alors après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de Blablacar ou de Uber ou de Apple, bon, là, on n'est pas, d'abord, je pense pas qu'on soit dans la vente complexe. Et ensuite,
Il n'y a pas deux fiches produits qui parlent de la même chose, qui soient faites de la même manière. Ça dépend du curseur où je vais me mettre, plus ou moins complexe, plus ou moins mass market. Mais dans tous les cas, il y a des méthodes, il y a des techniques qui sont très importantes et c'est un contenu. J'ai pas dit qu'il fallait que les commerciaux passent leur vie à lire le site web. J'ai dit que c'était un contenu qui était utile et important. J'ai lu en diagonale le contenu de notre ami Christophe avec le schéma des différents utilisateurs de Jean-Marie Messier, Jean-François Messier, pardon. C'est un autre, Jean-Marie. Effectivement, je l'avais déjà vu, ce truc-là, c'est très très bien fait. Et là, il y a un truc qui est marqué tout en haut, qui est bien vu aussi de Jean-François. Il met la dernière personne dont le client a envie d'entendre des informations, c'est le commercial. Donc, le marketeur a un rôle à jouer justement là-dessus. Bon, moi, je suis un peu les deux casquettes, donc je peux me permettre de parler des deux côtés. Mais le marketeur a un rôle à jouer justement pour épauler le commercial et sortir de cette dichotomie marketing-commerce. Market, ça veut dire mettre en marche, sur le marché, et mettre sur le marché. Et donc, mettre sur le marché, ça veut dire bouger son cul, aller voir des clients, si je puis me permettre. Merci. Alors, je sais qu'il y avait deux personnes qui voulaient réagir là à ce qu'avait dit Philippe. Il y avait Thierry et puis Cécile. Rapidement, Thierry, après, on passe aux questions. Oui, je voulais dire quelque chose. Je vais faire un tout petit distinguo aussi entre communication et marketing. Donc, c'est pas le marketing qui doit me faire rêver, c'est plus la com. Et donc là encore, c'est peut-être trois pôles à mettre en place, entre justement les services commerciaux, les services marketing qui vont remettre ça dans un contexte stratégique et la communication qui va être capable de l'exprimer le mieux possible. Ça, c'est un peu pareil, Thierry, c'est la discussion sur qu'est-ce que c'est la communication et qu'est-ce que c'est le marketing. Elle date de 1960, depuis le jour où on a inventé le terme et où on l'a institutionnalisé. Et la communication fait partie intégrante du marketing. Et le marketing, doit être communicant. Yann. Alors, vas-y, Cécile. Non, je rejoins Thierry et j'ai envie de conclure par une petite formule très simple. C'est qu'on est tout simplement condamnés à travailler ensemble et tant mieux. C'est-à-dire que la communication va apporter une certaine expertise que le marketing n'a pas, mais il en a une autre et on va la coller aux besoins qui remontent du terrain à ce que demandent les vendeurs, parce que les vendeurs, ils sont dans toutes les boîtes toujours à réclamer des outils qui vont pouvoir les aider à aller en rendez-vous client, même si au final, ce qui compte, je suis d'accord, c'est la relation, c'est la manière dont ils vont jouer le moment, etc. Mais le marketing et la vente, ils interviennent aussi un peu avant ça. Revenons au sujet, on est sur de la vente complexe. On n'a pas défini ce que c'était la vente complexe. Et dans vente complexe, il y a des sujets comme l'expertise, il y a des sujets de long terme et il y a des sujets de confiance. Et ça se construit sur du moyen long terme. Donc, en fait, chacun a vraiment sa brique à apporter. Et je vois quelqu'un lever la main avant que je me tourne. Non, mais pour l'instant, on va rester encore avec vous et ensuite, j'ouvrirai à la salle. Hein. On le fait en deux temps. Je m'en excuse parce qu'on est suffisamment nombreux. Alors, juste, moi, je veux poser la question. C'est, tu voulais, vas-y, termine en une phrase, Cécile. Non, en une phrase, un de nos clients dans une de mes entreprises nous a dit une fois, moi, je vous connais bien, je sais que vous délivrez. J'ai besoin que vous me fassiez rêver. Et c'est ça aussi dont on parle. Et on revient sur ce que Yann disait, j'ai beaucoup aimé, c'est montrer le chemin, montrer un petit peu ce qui va se passer et faire un petit peu envie. Voilà, parce que les clients, parfois, ils ont besoin de quelqu'un qui fasse le taf et parfois, ils ont besoin de quelqu'un qui, en plus, va les faire rêver, va leur donner confiance ou va les emmener sur l'étape d'après. Ils ne connaissent pas encore, mais ils savent qu'elle est là, ils ne savent pas où, ils ne savent pas comment y aller, mais ils veulent quelqu'un qui les emmène. Merci. Alors, je vais juste vous poser la question de cette première partie parce qu'après, on parlera de la relation entre marketing et vente, notamment. La première partie, c'est quel doit être le rôle du commercial, on est bien en vente complexe, hein, dans l'IT ou ailleurs, dans une stratégie de contenu en vente complexe. Quel doit être le rôle du commercial? Alors, Philippe, tu peux commencer. Pour toi, c'est quoi le rôle du commercial dans une stratégie de vente complexe? Oui, le micro fonctionne bien ou pas du tout, juste pour voir. Vas-y, dis. Oui, vous m'entendez ou pas?
On t'entend un peu mieux. Vas-y, parle assez fort. Oui, mais je pense que le rôle du commercial, c'est simplement au début, c'est lui qui doit aider les clients à identifier une douleur potentielle. Et ça, c'est clair, quoi. Et donc, c'est le commercial qui doit parler. Et c'est le marketing qui doit aider le commercial à bien parler pour identifier les futurs enjeux et de commencer à semer, comment dire, des graines et les mettre dans le terreau, quoi. Et puis après, le commercial, il doit disparaître. Et puis après, jusqu'au closing, c'est le rôle du marketing, quoi, et de faire du nurturing, créer du contenu pertinent aux différents, au niveau des différents personas, qui dépend du niveau de maturité des clients. J'avais beaucoup aimé, en effet, l'article de Jean-François Messier. Et entre donc là, de créer l'envie de s'intéresser à un sujet et puis simplement le closing, ça, c'est les deux pôles où les commerciaux doivent être là. Au début et à la fin. Marketing. Au début et à la fin, c'est ce que je comprends. Exactement. Thierry Coulemain, c'est quoi le rôle du commercial dans la stratégie de vente complexe? Thierry? Oui, oui, je suis perplexe, je suis encore sur la réaction. Je n'aurais pas mis le marketing au milieu, je l'aurais mis plutôt en amont et apportant les billes avant, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, les billes, c'est aussi le client qui va les fournir, enfin le prospect qui va les fournir. Donc, vas-y, tu veux réagir, ça va m'arranger. Oui, mais c'est parce que, en fait, c'est lui qui donne, en fait, qui crée l'envie de s'intéresser, mais naturellement aider avec le marketing. Ce que je dis simplement, il faut utiliser le haut-parleur des commerciaux pour diffuser la bonne parole. Et naturellement, là, le marketing peut aider avec les commerciaux, certainement. Merci. Alors, en amont, et puis après, et puis encore une fois, au milieu, c'est le marketing. Alors, okay. Je peux rajouter un mot, peut-être? Je me permets juste de finir. Donc, je vais plus suivre ce que tu dis, Philippe, justement. Mais je vais remettre encore le marketing là, légèrement derrière le commercial, même au milieu. C'est-à-dire que c'est quand même, comme tu as dit, le commercial qui est le porte-parole. Et je pense que le marketing n'est là toujours qu'en soutien quand on est dans la vente, enfin dans la vente complexe. Okay. Et en amont, puis en soutien. Voilà. Cécile, et le rôle du commercial. Et il se retire du closing. Cécile, en quelques mots, le rôle du commercial. On l'a dit tout à l'heure, le commercial, il arrive à un moment où le marketing et la communication ont déjà pu semer un certain nombre d'indices, on va dire, créer une sorte de faisceau convergent qui va faire qu'il a tous les éléments pour développer la relation, faire son travail, rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est pas du tout les mêmes moments et c'est pas du tout les mêmes rôles et ils doivent être parfaitement bien orchestrés pour que ça fonctionne. Ok, Yves, de ton point de vue, le rôle du commercial dans tout ça. Oui, ben moi je crois que le rôle du commercial, il est le leader de A à Z sur le trajet avec le client. Ça commence par l'intention qu'il va y mettre, c'est-à-dire que dans tel segment de marché ou chez tel client, je veux vendre ça. Il doit avoir une intention, il doit ensuite créer une curiosité, il doit construire cette curiosité et la transformer en intérêt avec son client, et puis il doit closer le business. Donc ça, c'est le rôle du commercial. Et effectivement, dans la stratégie de contenu, eh bien, il va devoir piloter le marketing, le product marketing dans la vente complexe souvent, plus que le marcom, pour avoir les bons contenus et les bons nuggets qu'il va pouvoir partager pour amener ce crescendo avec le client et effectivement susciter la curiosité. C'est autour de la douleur, c'est autour de ce que le client vit. Et de comment ensuite il peut adresser cette douleur. Très bien. Christophe Courtois, rapidement. Oui, alors je ferai peut-être une distinction. Monte ta tête. Pardon. Selon les types de commerciaux, alors quand on est sur des commerciaux grands comptes, sur des très grands comptes, on est effectivement sur de l'ABM et on est sur du marketing vraiment sur mesure, si je puis dire. Donc ça, c'est de plus en plus courant. Et donc là, on est vraiment au service du commercial et on crée des campagnes pour lui. Mais sur la PME ou sur le mid-market, on est plus sur des campagnes un petit peu grande diffusion où on collabore à la fois avec des partenaires, et c'est eux souvent qui nous amènent les budgets marketing pour créer les contenus. On travaille aussi avec les consultants, puisque les consultants supportent les vendeurs. Et dans la création des contenus, c'est des gens qui sont clés, à condition d'être accompagnés, parce qu'ils n'ont jamais le temps. Ils ont les compétences, mais ils n'ont pas le temps.
Et donc là, le rôle du marketing, c'est d'être le chef d'orchestre de tout ça, au service du vendeur. Nous, on s'est aperçu que faire des campagnes ou des contenus du marketing et les envoyer au vendeur, ça ne sert à rien, ce n'est pas relayé. On peut faire l'inverse. Donc, on préfère faire des campagnes et du contenu en demandant aux directeurs des ventes et aux vendeurs ce qu'ils veulent et en faisant de l'individuel en fonction des régions. Ça, merci. C'est la nouvelle orientation qu'on a prise. Merci. Jean-Philippe, et ensuite Yann fera la conclusion là-dessus avant de l'ouvrir à la salle. Oui, rapidement, alors, Jean-Philippe. Écoute, n'oublions, en 40 secondes, n'oublions pas qu'on a inventé, on a un nouveau super pouvoir, c'est la téléportation. Et ça, ça va changer des choses. Avant, c'était le commercial qui allait tout seul en rendez-vous. Maintenant, il peut inviter qui il veut. Donc, quand un commercial va dire, va faire le téléphone arabe, quand un commercial va dire à la com ou au marketing, il y a tel client qui s'intéresse à tel sujet de telle manière, le marketing va pouvoir se téléporter et parler au client directement parce qu'il n'y a plus de frais de déplacement, de temps de déplacement et autres. Et donc, on risque d'avoir un marketing beaucoup plus centré client, où on écoute beaucoup mieux et où il n'y a pas de déformation par le biais du téléphone arabe commercial. Donc, intéressant de voir dans quelle mesure les marketeurs vont être de plus en plus en contact avec les clients finaux. Ce qui était la question de tout à l'heure, à la prochaine heure, parce que là, c'était le rôle du commercial. Donc, Yann, quel est le rôle du commercial dans cette vente complexe ? Alors, déjà, je pense que Cécile a marqué un point. Il aurait fallu définir la vente complexe pour commencer. Parce que là, on a dévié. Christophe nous parlait des ventes de produits sur les PME. Pour moi, ça, ce n'est pas de la vente complexe, même si c'est tout à fait honorable. Hein. Ce n'est pas péjoratif. Mais vraiment, là, je me projetais dans un cadre où finalement, les questions que vous avez posées, qui reporte à qui, est-ce que le marketing reporte au commercial, excusez-moi, mais ça ne me parle pas tellement, je pense que on n'en est plus là, dans des opérations de vente complexe, j'ai participé déjà il y a très, très très longtemps à des équipes de vente mixtes où il y avait des marketeurs, des communicants ou des gens qui étaient un petit peu tout ça, d'ailleurs moi je suis un petit peu tout ça en même temps et même vendeur aussi, et puis on était tous en équipe et effectivement il y en avait un qui closait et qui menait son client parce que c'était lui qui avait la responsabilité du client, c'était le commercial. Mais bon, après, qui dépendait de qui était le chef de qui, personne. D'accord, on était en équipe. Et parfois, je prenais le lead parce qu'on devait parler à l'américain de service et que j'avais tous mes piou-piou qui racontaient n'importe quoi et qui me sortaient toutes leurs marques de filiales et de machin. Et on disait, OK, bon là, tout le monde se tait. On s'appelle machin groupe et tout le monde pareil. D'accord ou pas d'accord? Et on... Voilà, mais on le faisait de manière collective, en équipe. Il n'y avait pas d'imposition, il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de chef. Et ça marchait très, très bien. Et donc, et personne ne m'a dit « Non, mais toi, tu n'es qu'un marketeur, dégage. » On était dans le même bain, on était dans la même deal. Voilà, et à la fin, les 150 millions d'euros, on les a signés. Et donc, quel est quand même le rôle du commercial puisque c'est... Bah là, en l'occurrence, le commercial, il avait un rôle qui était, je dirais, naturellement celui du key account manager, c'est-à-dire il était responsable du compte dans son ensemble, et on respecte tout ça, bien entendu. Moi, je m'occupais de marketing et de partenariat, et en même temps, j'étais un peu responsable du compte aussi d'un point de vue partenarial, mais bon, voilà, on travaillait pour le commercial, c'est normal, on travaillait ensemble. D'ailleurs, à la fin, personne n'a dit « j'ai gagné l'affaire ». On a dit, on a gagné l'affaire, nous avons gagné l'affaire. Ok, bah, alors, ok, bah, écoutez, merci, on va s'arrêter là pour l'instant pour ce petit échange. Je vais ouvrir à la salle. Il y avait une question, je crois qu'il y avait d'abord une question de Fès tout à l'heure. Il avait levé la main, il voulait poser une question, et ensuite Olivier, et ensuite on passera à la prochaine keynote. Vas-y, Fès. Alors, moi je tiens à remercier Yann, hein, parce que je le suis sur LinkedIn, la première fois que. J'assiste en fait, voilà. Moi, ma question, je reviens quand même sur la stratégie de contenu parce que je pense que c'est la question centrale. Et en fait, ce que je voulais poser, c'est que lorsqu'on parle de vente complexe, il y a bien évidemment beaucoup d'intervenants. Et donc, en fait, lorsqu'on crée un contenu, c'est un contenu pour une cible bien précise. Parfois, on peut avoir l'achat qui intervient avec le juridique, qui intervient avec la com, le marketing, en fait, au sein du client. Donc, déjà, Yann, comment adapter ce contenu? Et après, en fait, moi, je suis un peu perplexe parce qu'il faut qu'on soit originaux dans le contenu concret. Donc, quelles sont les sources d'inspiration, Yann? Parce que tu as dit, voilà, si on fait du copier-coller de ce qui a été... Oui. OK. Et dernière question, tu as évoqué, Yann, le nombre de vues.
Et notamment, tu as utilisé le mot content zombie à plusieurs reprises. À ton avis, quels sont les indicateurs qu'on doit suivre lorsqu'on crée du contenu en fait, sur le réseau social? Ouais, bon, bah, Yann, tu as trois questions rapides. Ouais, on va commencer par la première. C'est très, très simple. La cible, il n'y en a pas. On tire sur personne. Donc, si tu veux être bon en stratégie de contenu, ne tire jamais sur tes clients, sur tes prospects. Et n'oublie pas une chose. Une stratégie de contenu ne s'adresse pas à des clients, ni même à des prospects. Elle s'adresse à un lectorat. N'oublie pas, on est dans une logique de marketing de bouche à oreille. On peut très bien parler à quelqu'un qui parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un, qui achètera quelque chose peut-être, ou non d'ailleurs. Donc, c'est très important ça. Encore une fois, ce n'est pas du journalisme, mais ça s'inspire de cette mécanique. Donc, lecteur, pas cible. C'est très important parce que du mot vient aussi un comportement. Original, ben, je vais reprendre ce que disait Cécile, qui a apprécié le pragmatisme britannique. Moi, j'y ai travaillé très longtemps. Donc, j'ai appris aussi à marcher, apprendre à marcher en marchant. Il n'y a pas à trop me poser de questions. En fait, je me pose pas trop de questions. Quand ça devient un peu complexe ou ça devient un peu chaotique, et la stratégie de contenu, des fois, c'est un peu chaotique parce qu'on ne sait pas forcément comment il faut faire les choses pour pouvoir atteindre son objectif. Et puis, des fois, on va le rater. Mais ben, ce n'est pas très grave. En fait, il n'y a pas véritablement de méthode. La bonne méthode, c'est d'essayer et puis se tromper, puis de recommencer. Donc, il faut être très humble par rapport à ça et surtout pas faire, comme je le vois chez des clients, corriger 50 000 fois le blog jusqu'à temps qu'il soit parfait, etc. Mais ça n'a aucun sens. Celui qui détermine que le contenu est intéressant, c'est le lecteur, pas celui qui le corrige. Donc, et puis de toute façon, n'oubliez pas, c'est de l'internet, donc s'il y avait une correction à faire, vous pouvez la mettre après. Alors après, la dernière question, je me souviens plus, j'ai noté mais j'arrive même pas à relire parce que je suis écrit comme en fait peu. Yann, c'était les indicateurs, parce que les indicateurs, exact, c'est ce que j'ai marqué mais j'arrivais plus à me relire. Alors l'indicateur, je sais pas, ça c'est un truc je sais pas, il y a beaucoup de marketeurs qui sont obsédés par, il faut absolument qu'ils mesurent tout. Et en digital, on mesure tout. Alors, on mesure tout, mais alors, pour en avoir fait des mesures et puis des tableaux de bord et des machins, alors pour aligner des chiffres, on en aligne. Hein. Mais on ne sait jamais ce qu'ils veulent dire. Alors, moi, j'ai un truc, j'ai un petit bidule dans mon blog. J'ai un truc qui s'appelle Jetpack, avec des statistiques qui sont directement sur le blog. Alors oui, j'ai le bidule Google là, que tout le monde utilise, mais, qui ne sert à rien, qui est archi compliqué, qui monte n'importe quoi puis qui est complètement faux. Donc moi j'ai mon petit bidule qui est dans WordPress, là, mon Jetpack, qui montre les articles qui sont lus, ceux qui sont pas lus. Alors je vois ceux qui sont lus énormément, mais qui m'intéressent pas tellement, qui sont là un peu pour faire de la visite, parce qu'il en faut toujours un peu, hein, faut toujours un peu attirer un peu le poisson. Mais bon, ceux-là m'intéressent pas. Et puis il y a les articles qui sont vus tous les jours. J'ai une longue traîne, je peux avoir jusque 800, parfois 1000 articles. Qui sont vus une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, enfin des toutes petites visites. Et ceux-là, c'est ceux-là qui sont très intéressants, parce qu'ils sont vus tous les jours, régulièrement, ils ressortent. Je n'ai pas besoin d'avoir 1000 personnes qui sont intéressées par un article. Je fais des choses très pointues. Donc comme c'est très pointu, ça intéresse peu de personnes, mais les gens qui sont dessus sont justement ceux qui m'intéressent. Là où j'ai un article qui va me parler, j'en sais rien, il y en a un qui marche, qui cartonne, ça s'appelle l'analyse de la demande. À vrai dire, ils m'ont demandé pourquoi ça marche, j'aurais vraiment pas pu expliquer pourquoi. En fait, ça doit être un truc d'étudiant. Hein. Donc ça attire les gens, les étudiants m'intéressent parce qu'ils font partie de mon lectorat. Un jour, ils sont dans l'entreprise, donc je les nurture, hein. Peut-être pas pour tout de suite, mais pour plus tard. Mais en fait, je m'en fous complètement de celui-là. Et il fait des milliers de visites, mais bon, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, ce que je dis, il faut cultiver ton jardin, attendre doucement les chiffres. Et moi, j'ai pas besoin de chiffres, j'ai besoin de gens qui décrochent leur téléphone et qui m'appellent, monsieur Gourvenec, j'ai un problème, là, j'aimerais bien que vous me résolviez, c'est ça. Et ça, j'ai juste besoin d'un coup de fil, c'est tout. Exactement. Alors, Olivier, tu avais une question aussi, en une seconde, rapidement, pose ta question. Hein. Ouais, j'avais deux questions. Je salue Yann au passage. J'avais donc une question sur la collaboration. On en a un petit peu parlé, mais pas suffisamment. Pour voir, le rôle du commercial, c'est d'être une interface en fait, entre la vente collaborative, donc des équipes qui vont vendre dans un domaine complexe,
et les achats collaboratifs, où les acheteurs aussi travaillent en équipe avec des services de recherche et développement, des prescripteurs, des consultants, etc. Ma question, c'est comment on travaille en collaboration pour produire du contenu. Une autre question très précise également sur le learning marketing. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on utilise des tutos pour préparer les usages de demain. Donc, et ça sera des outils qui, on peut parler là de collaboration, vous ne l'avez pas évoqué, avec les services formation, qui peuvent aussi être impliqués dans, le, dans la production de contenu. Et puis, bon, la question est sur la collaboration avec les lectorats usagers, hein, puisque est-ce qu'ils peuvent participer aussi à la création de contenu? Est-ce qu'on peut imaginer pour une entreprise qui crée un nouveau produit, il faut créer le marché, on fait venir une dizaine de potentielles industries qui pourraient développer cela et on leur fait coproduire le contenu. Qu'en pense Yann? Ah, beaucoup de points qui sont très pertinents. Attends. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, on va donner la parole à Yves Blandeau qui va faire sa keynote. Yann a bien noté toutes tes questions. Tu vas être avec nous encore dans un quart d'heure et on va voir tous les aspects de collaboration. On ne le fera pas uniquement avec le marketing, mais également avec les autres stakeholders dont tu as parlé, si tu veux bien. Donc, bien. Yves, je te propose que tu prennes la parole. Tu as un quart d'heure pour ta keynote. OK, impeccable. Alors, je vais vous partager quelques slides. Voilà, dites-moi si vous voyez. Parfait, vas-y, lance. Alors, voilà. Parfait, vas-y. Voilà, je vais rentrer dans ce sujet de collaboration entre la vente et le marketing. Je vais rentrer par la porte de la vente, qui est finalement mon métier. Moi, j'étais vendeur et directeur de vente dans les grandes entreprises technologiques. Donc, c'est de la vente complexe, effectivement, sans vouloir redéfinir tous les termes. Et ce que je remarque aujourd'hui, et on va suivre un peu le trajet du vendeur aujourd'hui, on va voir un peu comment le marketing peut l'aider davantage et comment ce besoin d'aide va le permettre peut-être de redessiner comment marketing et vente peuvent travailler ensemble. Et quand je dis marketing, ce n'est pas Marcom, ça peut être Marcom, mais c'est aussi marketing produit parce qu'on est quand même dans des solutions assez technologiques. Et donc, le défi des entreprises tech aujourd'hui et toutes celles à qui je parle aujourd'hui qui sont clients ou qui ne sont pas clients chez moi, le numéro un, c'est qu'ils veulent conquérir de nouveaux territoires. Alors, de nouveaux territoires, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de disruptions technologiques qui ont été accélérées par la crise de la COVID que l'on traverse, la transformation digitale. Maintenant, tout le monde parle cloud, tout le monde parle virtualisation, tout le monde parle de software defined, d'analytics et j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a conquérir de nouveaux territoires. Sur ces nouveaux territoires, ces entreprises tech qui sont des grands noms hein, en général, deviennent subitement des challengers. Et donc, ont toute une série de nouveaux concurrents. Donc, c'est un premier défi. Alors, ce défi est d'autant plus compliqué que les clients ont des exigences fortes. C'est-à-dire que les clients, ils ont perdu patience, ils veulent apprendre quelque chose de leur fournisseur. Ils veulent que le fournisseur réfléchisse avec eux sur leur futur à eux. Et donc, ils ont très peu de patience, comme je le disais. Ils veulent que ça avance vite. Et troisième élément de ce défi des entreprises tech, c'est que tout ça doit se faire sans vraiment rencontrer leurs clients. Hein, c'est-à-dire tous les beaux forums et tous les beaux salons qui avaient lieu n'ont plus lieu. Donc, ces salons où on pouvait rencontrer tous ses clients, tous ses concurrents et tous ses partenaires en quelques jours, ça n'existe plus. Et donc on doit un peu se reposer les questions, de savoir comment ces entreprises tech vont réussir à conquérir ces nouveaux territoires. Et si on réfléchit deux secondes, on se rend compte que les champions du monde de la conquête de nouveaux territoires, ce sont les startups qui réussissent. Alors, il y a beaucoup de startups qui n'y arrivent pas. Mais les startups qui réussissent, ça peut devenir une source intéressante pour redéfinir le trajet de vente du vendeur en vente complexe et donc de comprendre un peu comment il va peut-être collaborer différemment avec les marketeurs. Et donc, pour injecter de la mentalité de start-up dans les sales teams, ça va nous permettre à peut-être redéfinir le parcours. Alors, si on regarde un peu, bon, les enfants sont couchés, hein, comme on dit, si on regarde un peu le vendeur dans une compagnie tech établie par rapport au vendeur dans une start-up qui réussit, on se rend compte que le vendeur dans une compagnie établie, il est un peu derrière le logo, quoi. Il se cache un peu.
Il utilise peut-être le logo pour ouvrir les portes, pour avoir une place à la table de négociation, de discussion, pour établir sa crédibilité. Et donc, on voit ces vendeurs dans ces compagnies établies qui sont un peu, peut-être, devenus paresseux. Hein, je tire un peu le trait pour faire passer le message. Et en tout cas, ce n'est peut-être pas les bonnes personnes pour aller conquérir ce nouveau territoire. Alors que dans la start-up, et c'est pour ça que je disais les enfants sont couchés, eh bien, le vendeur, il est à poil. Le vendeur, il est à poil, il n'est pas visible, son entreprise est inconnue, il n'a pas de gros logo pour derrière lequel il peut se cacher. Et donc, il va devoir être d'autant plus CEO pour conquérir ces nouveaux territoires. Et nous voyons des start-up formidables qui signent des contrats avec des multinationales sur des déploiements globaux. Et donc, c'est s'inspirer peut-être de ces pratiques-là pour redéfinir un peu comment le vendeur complexe dans les entreprises technologiques pourrait se positionner. Et donc, si on choisit un segment ou un compte particulier, puisqu'on parle effectivement de grands comptes ou de TI dans ce secteur de la vente complexe, on peut se dire que finalement, la vente du vendeur complexe, c'est quoi ? C'est d'avoir d'abord une intention. Qu'est-ce que je vais vendre ? À qui je vais parler pour aller vendre ce que je veux vendre ? Comment je vais susciter la curiosité, c'est-à-dire avoir une interaction de qualité avec mon client ? Quelle histoire je vais lui raconter une fois que je l'ai en face de moi, que ce soit à travers un écran ou en présentiel ? Et comment je vais lui raconter mon histoire ? Donc, si on regarde un peu ce parcours un peu traditionnel du vendeur dans la vente complexe, on se rend compte que beaucoup de vendeurs dans les entreprises technologiques établies avec lesquelles moi j'interagis, ce sont souvent mes clients, eh bien je vois qu'il y a beaucoup de mauvais réflexes. C'est qu'aujourd'hui, ces vendeurs, quand on leur demande ce qu'ils veulent aller vendre chez tel client ou dans tel segment, ils parlent de leur portefeuille, le portefeuille est très large, on a beaucoup de produits à vendre. Et finalement, ça manque un peu d'intention et ça laisse peut-être la main au client pour définir, tiens, dans ton portefeuille, moi, c'est ça qui m'intéresse. À qui je vais parler ? Le vendeur, il va parler un peu à tout le monde. On fait, chez moi, en Belgique, on dit on fait le tour des popotes. On va voir Pierre, on va voir Janine, on va voir Jacques. Et on va voir en général les gens qu'on connaît. Et peut-être qu'on ne va pas voir les bonnes personnes, en définitive. Mais il y a cette culture quand même de plus on a de réunions, mieux c'est. Et on va voir, c'est peut-être pas vraiment ce qui est intéressant. Alors, comment on va attirer leur attention ? On va secouer notre logo. Et je suis chez HPE, et je suis chez IBM. Je viens de chez Cisco. Et donc, on va sécuriser un meeting, peut-être pour de mauvaises raisons. Et si on ne secoue pas son logo, on va secouer son portefeuille, on va montrer son produit. Mais le client, à ce moment-là, quand on essaie de rentrer dans conquérir un nouveau territoire, il s'en fout de votre solution, il s'en fout de votre produit. Lui, il a juste ses problèmes et il s'intéresse à lui et uniquement à lui. Alors, l'histoire qu'on va lui raconter, en général, de nouveau, chez ces grands acteurs technologiques, ça va être des histoires très génériques où on va surtout, qui seront auto-centrées, on va surtout parler de soi. C'est ce que j'aime dire, me, myself, my technology and I, or my solution and I. Ça va être des présentations très longues, très techniques, très détaillées, qui finalement vont rarement faire mouche. Et enfin, quand on se pose la question de savoir comment va-t-on raconter l'histoire, eh bien, la surprise, surprise, on va déplier son laptop et on va faire un PowerPoint. Et donc, on va passer aussi à côté de la montre en or, on ne va pas avoir cette interaction qu'on souhaite et on va simplement faire un pitch. Alors, c'est rassurant de faire un pitch parce qu'on sait qu'après le slide 5, il y a le slide 6 qui vient. Donc, il y a ce côté déterministe qui met le vendeur dans une zone de confort. Mais il passe à côté de son sujet. Et donc, finalement, le point est de dire, c'est que dans ces conditions-là, c'est absolument impossible de conquérir de nouveaux territoires. Donc, le vendeur de cette grosse boîte technologique, s'il continue à se comporter comme ça, il va juste passer à côté de la montre en or potentiellement. Alors, inspirons-nous des startups. Alors, on va repenser à ce vendeur qu'on a mis à poil, parce qu'il n'a plus de logo, il n'a plus de crédibilité, il est monsieur personne ou madame personne. Comment il fait ou comment elle fait et c'est là qu'on va se poser la question de savoir comment le marketing peut nous aider à faire cela. Par rapport à ce que l'on va vendre, le vendeur de start-up, il va avoir une composante, une approche en deux temps. D'abord, une insertion chirurgicale, parce qu'il faut que ce qu'il vende soit digérable facilement par son client. Et puis ensuite, il peut ouvrir et avoir une stratégie d'expansion
de cheval de Troie, si vous voulez, de dominos qui s'enchaînent. Et donc, pour avoir vraiment cette stratégie d'insertion, il va falloir non plus penser à ces solutions telles qu'on les avait imaginées et telles qu'elles sont décrites aujourd'hui par le marketing et par le product marketing, mais il va falloir vraiment, dans un segment donné, définir ces aiguillons, ces points d'insertion. Si jamais vous regardez une start-up qui a développé, ils veulent tous devenir le next Facebook, hein, ou que sais-je, ils ont développé une plateforme qui va de A à Z, la start-up jamais ne réussit à vendre sa plateforme. Donc, elle va devoir prendre peut-être un cas d'usage très limité et en faire un aiguillon pour rentrer, sans parler de la plateforme. La vente de la plateforme se fera après. Donc je crois que les grandes entreprises, elles ont sans doute beaucoup à apprendre lorsqu'elles doivent conquérir de nouveaux territoires ou elles deviennent challengers. Elles ont beaucoup à apprendre des startups sur le « what to sell ». Et le marketing peut les aider à redéfinir un peu ces aiguillons, parce qu'il faut définir les aiguillons par segment et par type d'entreprise que l'on veut cibler. Ensuite, à qui va-t-on parler? Une fois qu'on a défini cet aiguillon, ben, il ne faut pas parler à beaucoup de monde. Il faut préférer la qualité à la quantité. Il va falloir identifier le ou les quelques personas qui sont entre le marteau et l'enclume. Donc, les gens qui ont une douleur maximum par rapport à ce que l'on a à leur offrir. Et quand vous êtes entre le marteau et l'enclume, eh bien, ça fait effectivement, la douleur est insupportable. Hein, le marteau, ce sont les exigences fortes de votre management, de votre client, de vos concurrents, qui font que, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec ces exigences fortes? Et l'enclume, bah, c'est les contraintes fortes de votre organisation, des silos, des process que vous utilisez, de la technologie que vous utilisez, de la culture d'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et donc, si vous trouvez la personne qui est au point de jonction du marteau et de l'enclume, et qui a une douleur maximum, eh bien, cette personne, elle va pouvoir actionner les choses. Parce que cette personne, elle est malheureuse aujourd'hui. Elle est malheureuse parce qu'elle n'a plus aucun plaisir de travailler, parce que les exigences sont tellement fortes et les contraintes tellement fortes qu'elle se trouve dans une situation de mission impossible. D'accord ? Donc, on va effectivement devoir cibler beaucoup plus. Et là, de nouveau, le vendeur, avec un bon marketeer, va pouvoir définir ce persona qui va percuter lorsque l'on va arriver avec notre aiguillon pour nous insérer dans un segment ou chez un client. Alors, comment on va sécuriser ce meeting? Ben, il faut créer la curiosité, il faut amener une surprise. Et la surprise, ce n'est pas sur votre produit, ce n'est pas sur votre solution. La surprise, ça va être sur le marteau et l'enclume, sur la douleur à laquelle on est exposé, par exemple, sur ce à quoi la vie pourrait ressembler pour vous demain, si on parvient à faire quelque chose. Hein, parce que souvent, quand on est entre le marteau et l'enclume, on a peut-être oublié la douleur et on a notre seuil de tolérance à la douleur qui a augmenté et on n'est plus conscient du fait qu'on est dans cette situation très douloureuse. Donc, c'est important de pouvoir surprendre l'interlocuteur et lui dire, tiens, j'ai envie de passer un peu de temps avec ce gars-là parce que je sens qu'il a titillé ma curiosité. Alors, l'histoire qu'on va raconter dans le contexte startup, bah, ça va être une histoire très customisée. Pour l'insertion chirurgicale et le persona identifié, on a une histoire customisée. On va parler d'eux plutôt que de nous, et l'histoire va être là pour les projeter ce persona dans la douleur, dans le rêve, dans la solution, dans la façon d'implémenter cette solution. Ça va être facile, ça ne va pas être trop compliqué pour lui et son application, on l'a déjà fait, etc. etc. Donc ça va être fort centré sur eux, évidemment, ça va être très concis et ça va être émotionnel. Il faut davantage que cette histoire parle au cœur de la personne et sente qu'en travaillant avec vous, eh bien, ils vont pouvoir devenir un héros. Ils vont pouvoir retrouver la joie au travail et ils vont pouvoir faire de cette mission impossible quelque chose de possible. Et donc là, de nouveau, une collaboration avec le vendeur et quelqu'un qui a un contenu et qui peut l'aider à construire ce contenu est absolument fondamentale pour avoir une histoire qui soit percutante et émotionnelle et beaucoup plus concise que les slides génériques que IBM, Cisco ou HPE balancent à la tête de ses clients en essayant de pousser leur sou. Et enfin, comment on va raconter l'histoire? Ben, ça ne va pas être une présentation, ça va commencer par une conversation. Et, cette conversation, il va falloir la préparer. Elle sera beaucoup moins déterministe qu'une présentation. Et donc, il va falloir la préparer pour qu'effectivement, trouver les bonnes questions, le questionnement à avoir, l'écoute active à avoir, pour arriver à un point où votre client, il se met à genoux et il vous dit, s'il te plaît, maintenant, raconte-moi ton histoire. Donc, c'est le client qui veut entendre l'histoire et ce n'est plus vous qui lui poussez 50 slides PowerPoint au travers de la gorge.
Et là, de nouveau, dans cette conversation, trouver ce questionnement et cette arborescence de questionnement, la collaboration sales-marketing est pour moi c'est assez fondamental et assez capital pour voir ce bon fil conducteur. Donc, bref, si vous pouvez adopter cette approche start-up dans la vente complexe, je pense que ça permettra effectivement à ces entreprises de conquérir de nouveaux territoires, mais ça sous-entend de nouveaux contenus à développer pour chacune de ces étapes avec une nouvelle collaboration entre la vente et le marketing. Ben voilà, Loïc, c'est terminé pour moi. C'était ma petite introduction. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Eh bien, justement, alors, vous allez pouvoir rebondir, mes amis panélistes, pour commencer sur cette collaboration marketing-sales dans une nouvelle manière de voir l'impact en vente complexe, tel que l'a bien décrit Yves. Alors, justement, la question, c'était, par rapport à ça, comment va évoluer le rôle du marketeur, le métier même du marketeur ou des marketeurs dans ce nouveau contexte? Qui veut commencer? Alors, tiens, allez, à tout seigneur, tout honneur, Yann. Allez, Yann, vas-y, réponds. On est ici en vente complexe. Donc, je pense que c'est Philippe de Liège tout à l'heure qui nous y a incité. Il faut être révolutionnaire. Il nous a dit il faut inventer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut sortir de cette histoire de non, c'est du marketing, non, c'est de la communication, non, c'est du machin. On s'en fout, en fait. Il n'y a qu'une chose qui compte, le client. Voilà. Et il n'y a que ça qui compte. Et alors, si effectivement, dans la vente complexe, comme vient de nous l'expliquer brillamment Yves, on a besoin des compétences du marketeur, eh bien, il faut arriver à oublier ces préjugés sur les marketeurs qui sont comme ci, les vendeurs qui sont comme ça, les communicants qui sont comme ci. Il faut aller chercher les compétences là où elles sont, dans le but qu'on s'est fixé. Et là, on est véritablement dans une logique de stratégie de contenu, telle que nous l'a décrite Yves. On a un besoin de contenu qui vient à un moment opportun pour pouvoir vendre quelque chose. Je reviens encore sur des choses concrètes. Moi, je passe ma vie à faire ça. J'ai plus de 2500 contenus. Je peux avoir une discussion sur n'importe quoi, avec n'importe quel prospect, n'importe quel client, ou même quelqu'un qui n'est ni prospect ni client, mais qui pourrait le devenir. Et j'ai toujours le contenu qui va bien pour aller illustrer un sujet ou un autre, qui va documenter, qui va permettre d'aller fouiller et d'aller amener la fameuse réaction finale qui est cherchée par Yves, c'est « mais racontez-moi votre histoire ». Et c'est ça, effectivement. Là, le mécanisme qui est important, je pense, je l'ai déjà écrit plein de fois, trop de marketeurs ignorent la vente. Et il faut qu'ils commencent par... D'abord, un bon marketeur doit commencer par aller faire de la vente, à mon avis. Vis ma vie, hein. Et il doit voir le point de vue des autres. Pardon, je n'ai pas compris. Vis ma vie de vendeur. Vie de vendeur. Et de même aussi, je pense que beaucoup de vendeurs devraient aussi apprendre à faire un peu de marketing. Il y en a qui se débrouillent bien, il y en a qui se débrouillent moins bien. Ça leur permet de voir aussi le point de vue opposé et de voir comment on peut mieux travailler ensemble et mieux comprendre le travail des autres. Ok. Bon, cela dit, Philippe de Liège, comment va évoluer le métier du marketeur dont on a vu tout à l'heure qu'il était en soutien du vendeur ou autre? Mais comment il va évoluer? Mon point de vue, c'est que le marketing doit être au service du commercial. Donc ça, c'est un de mes postulats. J'aimerais revenir sur la notion de vente complexe. Il faut savoir si on parle vraiment de la même chose. La vente complexe, c'est avoir une capacité à adresser un message à plusieurs personnes dans un parcours d'achat. C'est-à-dire qu'il faut convaincre le patron, il faut convaincre l'utilisateur, il faut convaincre le sponsor, celui qui a intérêt à ce que vous passiez, il faut convaincre le responsable technique, et il faut le responsable, celui qui va payer. Et moi, ce qui me surprend, c'est que pour l'instant, on a un outil qui s'appelle multicanal, donc on peut utiliser le contenu et diffuser via plusieurs médias. Mais ce que je remarque, c'est que le marketing, pour l'instant, publie le même contenu par rapport aux mêmes cibles, alors que les commerciaux sont dans un environnement multidécisionnel. Et donc, naturellement, un même contenu devrait être formaté, non pas pour être multi-formaté dans plusieurs plateformes, mais simplement être adressé de manière différente
parce que les personnes cibles sont différentes. Et pour l'instant, moi, je peux vous dire que moi, je suis un tout petit acheteur. Hein. Moi, je suis à la tête d'une petite entreprise, donc je n'achète pas grand-chose. Mais chaque fois que je suis hameçonné par rapport à quelque chose qui m'intéresse, je suis harcelé, poursuivi par email, par Twitter, etc. Alors que j'ai dit, ben oui, mais donnez-moi du temps, quoi, ça m'intéresse, mais pas maintenant. Quoi. Et moi, je peux vous donner qu'il y a une quinzaine de marques, je suis en train de chercher leurs concurrents tellement ils me gonflent. Alors que la décision, dans une petite structure comme la nôtre, on n'est que 6, elle est multidécisionnelle. Et les autres ne sont pas impactés parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Et on prend des décisions collectives. Et donc là, ce que j'attends du marketing, ben, c'est qu'ils fassent du marketing, qu'ils se mettent au service des commerciaux et qu'ils pensent en persona buyer différent dans toutes les sociétés. Et quand on vend, il y a toujours un financier, il y a toujours un acheteur professionnel, il y a toujours un responsable technique, il y a toujours quelqu'un qui est valideur technique. Et donc, c'est là où on peut aider les commerciaux. Les commerciaux fonctionnent dans un environnement multidécisionnel. Et ils ont une capacité à s'adapter à l'ensemble. Et plus ils lisent des fiches produits, moins ils s'adaptent à la personne qu'ils rencontrent. Ça, il faut quand même bien s'en rendre compte. Alors, vous devez pas aider les commerciaux, vous devez aider les clients à comprendre ce que le commercial pourrait répondre, pourrait comprendre. Merci Philippe, merci. Il y a Cécile qui voulait réagir, vas-y Cécile. Ouais, moi, il y a vraiment une expression là qui me choque et que je ne veux plus entendre moi, c'est le marketing est au service d'eux, les RH sont au service d'eux et les achats sont au service d'eux. C'est un autre monde ça, c'est fini. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, je suis au service de personne, je travaille avec tout le monde et je collabore avec tout le monde et c'est à la fois ce qu'il y a de plus difficile et ce que je préfère dans mon métier. Mais c'est, j'en perds mes mots. Je trouve que c'est plus comme ça qu'on fonctionne. C'est plus comme ça. On monte un projet, on se met ensemble, on décide ensemble de la manière dont on avance. Et aujourd'hui, moi, mes plus beaux projets, que ce soit avec l'innovation, avec les RH et avec le marketing de mon entreprise, c'est des projets qu'on mène ensemble. Mais il n'y a pas cette notion de au service d'eux. Et je suis la première à me décarcasser pour un ingénieur d'affaires qui m'appelle parce qu'il a besoin d'une info pour un client. Mais il ne m'appelle pas parce que je suis à son service et je ne lui réponds pas parce que je suis à son service. C'est juste parce qu'on bosse ensemble. Et Philippe, je t'ai enlevé le micro parce qu'il y avait du bruit derrière toi. Je t'avais enlevé le micro. Hein. Mais attends. J'aimerais quand même réagir. Hein. Donc en fait, je peux me montrer caricatural. Dis simplement que moi, j'ai exercé mon métier de commercial où j'ai toujours été au service du marketing. On m'a raconté ce blabla, on va travailler avec toi, etc. Mais non, j'étais au service, j'étais un outil parmi des outils que le marketing utilisait. Et je dis simplement que pour l'instant, le commercial étant une marque forte et devant se mettre en avant, ben, il doit avoir besoin du soutien marketing. Et donc moi, en effet, le marketing vraiment, m'aide à augmenter ma notoriété personnelle pour au final vendre les services de ma société. Et naturellement, je ne suis pas un dictateur. Hein. J'ai changé de paradigme. Vas-y Yann et ensuite Thierry. Ouais, je plus sois sur ce que vient de dire Cécile. C'est effectivement insupportable, il faut arrêter. On est au service que d'une seule personne, c'est le client. Et le reste... En plus. Voilà. Alors, ok. Thierry, vas-y. Alors, je rappelle la question quand même, c'est comment évolue le métier de marketeur dans ce contexte qu'a bien décrit Yves. Oui, vas-y, oui. Enfin, je reviens à l'origine et Yann me redonne la possibilité parce que on n'est pas au service du client. Je suis pas du tout d'accord. C'est un couple offre client qui est important. Donc ça revient à ce que disait Cécile et c'est aussi ce que je voulais dire. Marketing n'est pas au service des commerciaux. Comme le disait Philippe, il y a un certain temps, je dois partager à peu près les mêmes époques, où c'était les commerciaux qui étaient au service du marketing. Non, il y a un couple offre-client. L'offre peut être présentée par le marketing, la stratégie de l'entreprise en tout cas, et puis le client, il est représenté par les commerciaux. Et alors, j'ai beaucoup aimé la présentation d'Yves, je reviens au sujet, parce que tes deux slides, la première qui dit ben, « je m'appelle IBM, je m'appelle un tel ou un tel », avec cette vision Cador,
reste dans ce que disait Cécile, c'est-à-dire que là, en effet, les gens sont au service d'eux, etc. Et c'est très structuré, et le discours est complètement stéréotypé et ne correspond plus du tout à ce qu'on attend. Et j'ai beaucoup aimé que tu fasses le parallèle avec une start-up. Moi, je me suis permis de te tutoyer, on ne se connaît pas, mais bon, bref. Une start-up, elle a tout à démontrer, elle a peut-être même quelque chose de super, elle va pouvoir même être compétitive avec des grosses boîtes parce que justement, elle a apporté une innovation, mais elle ne peut plus se cacher derrière son petit doigt, tu disais derrière le logo, mais c'est exactement ça. Et là, cette coopération, il n'y a pas quelqu'un qui est au service de l'autre entre le marketing et le commercial, va redonner du sens à la stratégie et à la tactique, va redonner du sens au one-to-one, c'est-à-dire là, à s'intéresser au client en tant que tel et à son besoin, à sa souffrance, comme tu as dû dire tout à l'heure. Et là, on réinvente, en effet, quelque chose que dit très bien Cécile, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec les RH, on peut travailler avec le commercial, mais là, on est au service d'une offre et au service d'un client final qui lui a une problématique. Et si tout ça, ça matche, c'est juste parfait. Voilà. Donc, on est bien au service du client, hein, Thierry. Parce qu'à un moment donné, tu as dit qu'on n'était pas au service du client. Non. Non, on n'est pas au service du client. On est au service du client si notre offre a un intérêt. C'est dans ce sens-là. Mais si tu n'as pas d'offre, le client n'a pas d'importance. C'est un peu subtil mon truc et je peux m'y perdre. Okay. Mais c'est vraiment un couple, ce n'est pas un client qui décide. Autrement, si je vais pouvoir être précis. La société fait n'importe quoi. Elle va sortir de sa raison d'être. Elle va juste, un client lui demande quelque chose, elle va y répondre. Ah, voilà. D'accord. Le terme au service du client est peut-être un peu abusif, je conçois. C'est parce qu'on effectivement, on n'est pas forcément au service du client. Des fois, on les éduque, des fois les clients d'ailleurs. C'est la première chose que j'ai apprise. Mais ce que je voulais dire par là, c'était une façon de parler pour dire que si on fait des choses qui n'ont pas à voir avec le client, enfin les clients, enfin avec l'offre qu'on met sur le marché, moi je dirais tous les bidules internes avec des gens qui se bouffent le nez en interne, ça n'a pas grand intérêt. C'est tout. Merci. Alors, Christophe, pour toi, comment doit évoluer le métier de marketeur ? Tu es marketeur, tu es dans ce contexte de vente complexe. Comment ça évolue votre métier ? Je suis marketeur dans une entreprise qui est dans les ventes complexes. Il y a quelques années, la question s'est posée même de l'intérêt du marketing chez un intégrateur. Et pour rien te cacher, le marketing était en situation de... On allait le supprimer. À la fin, j'étais tout seul dans le service. Il faut quand même savoir qu'il y a marketeurs et marketeurs. Chez nous, par exemple, tu as des marketeurs solutions qui créent les solutions, qui travaillent avec les partenaires, qui travaillent avec la direction des services, la direction technique pour les certifications, les formations, etc., le niveau des experts, des techniciens, des architectes. Et tu as le marketing opérationnel auquel j'appartiens, dans lequel tu as le marketing événementiel, tu as la relation presse, tu as la com, et puis le marketing digital et les campagnes. Donc, moi, je suis plus là-dedans. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, on a recréé ce marketing. Donc, la nouvelle direction a recréé un marketing, à la fois un marketing solution et un marketing opérationnel. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a complètement changé notre manière de concevoir notamment les contenus grâce en fait à l'introduction du digital marketing en général et du social selling. Parce qu'en fait, le social selling m'a permis de beaucoup me rapprocher des vendeurs puisque je faisais du coaching social selling auprès des vendeurs. Du coup, la question des contenus et des campagnes s'est posée. Et depuis que maintenant, on a des groupes de travail entre nous réguliers autour du thème du social selling, mais derrière tout ça, il y a les campagnes, il y a les contenus, il y a l'aide qu'on peut leur apporter, le coaching, s'ils ont besoin de trouver des clients sur LinkedIn, par exemple, ils me demandent. Ensemble, vous vous êtes apprivoisés mutuellement, Christophe. Oui, c'est ça. Alors qu'auparavant, le marketing et le commerce étaient un chien de faïence. Hein, voilà, après, vous êtes, j'allais le dire, après vous êtes reniflé avec méfiance. Voilà.
Ok. Ben, c'est très intéressant parce qu'on avait pour habitude de dire au Social Selling Forum que le social selling était un excellent catalyseur du smarketing, c'est-à-dire l'alignement entre le marketing et les ventes. Et je suis content que tu racontes ça, Christophe, parce que c'est peut-être, ça va peut-être devenir un jour une réalité, hein, avec un peu de chance. Yann, est-ce que tu peux conclure sur ce premier petit sujet? Et après, on va répondre à la question d'Olivier s'il remontre sa tête, là. Vas-y, Yann. Je pense que Christophe, effectivement, on est bien en phase. Pour moi, il n'y a pas d'avenir. Je parle encore deux fois de la vente complexe, qui est ce que je connais le moins mal, on va dire. Il n'y a pas d'avenir si, justement, ces deux grandes entités, marketing, et quand je dis marketing, c'est dans sa grande diversité, parce qu'il y a plein de spécialités dans le marketing, comme il y a plein de spécialités dans la vente. Et si ces gens-là ne travaillent pas ensemble, alors pour servir le client, Thierry, ou pour être tourné vers l'extérieur, j'aurais peut-être dû dire, eh bien, on se demande ce qu'ils foutent, quoi. Enfin, en gros. Maintenant, et c'est pas valable que pour la vente complexe, parce que pour ce qui est du mass market B2B, c'est un terme peut-être un peu polémique, mais bon, il y a du mass market en B2B, et bien là, c'est encore plus vrai, parce que là, y a une véritable question sur Là, c'est plutôt moins le marketing, d'ailleurs, qui est sur la poêle à frire que le commercial, parce que, justement, les techniques de masse, justement, s'appliquent très facilement. On peut appliquer très facilement les techniques marketing et marketing digital, notamment, à ces marchés-là. Merci. Alors, Yves, une petite synthèse avant qu'on réponde à la question d'Olivier. Yann, pense à répondre à la question d'Olivier. Vas-y, Yves, ta synthèse. Oh ben, ma synthèse, je crois que aussi bien Yann, Cécile, Thierry, et d'ailleurs Thierry, tu peux me tutoyer effectivement. Hein. Moi, je viens de Belgique, donc on se tutoie assez vite là, hein, surtout avec la partie flamande de ma famille, je dirais. La synthèse, je crois que effectivement, si le client est au centre, hein, bon, il y a l'offre derrière. Mais c'est effectivement d'amener toutes les bonnes ressources au bon moment pour faire avancer le processus de vente. Je crois que c'est ça qui est important. Et si le RH doit venir, il vient. Si c'est le marketing Marcom ou le product marketing, etc., ben ces personnes se travaillent ensemble pour faire évoluer les choses et pour augmenter la valeur que l'on amène à son client tout au long de ce trajet de vente. Donc moi je reconnais ça très bien. Philippe, avec le multi-level selling, je suis aussi évidemment d'accord. Dans la vente complexe, il n'y a pas qu'une personne qu'il faut adresser, donc il y a few persona, mais je crois qu'il y a moyen avec la secousse que l'on a tous vécu. Moi, ce que je vois chez les grands comptes, en tout cas, c'est que là où il fallait peut-être passer et voir 10 personnes, eh bien maintenant peut-être qu'il y a moyen d'inspirer un client en voyant 3 personnes. Et si on travaille un peu son angle d'insertion et qu'on le rend bien chirurgical, eh bien, effectivement, ça va dans le sens de ne pas traverser tous les silos de l'organisation qu'on essaye de pénétrer et de devoir aligner tous les petits rois que vous avez à la tête de chaque silo. Mais le multi-level selling et l'adaptation du message à son, si on parle au CFO ou au CTO, ça ne va pas être la même chose. Ou au directeur marketing, ça ne va pas être la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Yves, une des conséquences peut-être du Covid aussi, c'est qu'il y a moins de gens qui tiennent le carnet de chèques. Donc, c'est normal que tu en vois moins. Exactement. Exactement. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le senior management veut se retrousser un peu plus les manches. Et donc, si on a quelque chose à leur apporter, quelque chose d'un peu innovant, d'un peu disrupteur, un nouveau point de vue, et si on veut un peu les surprendre, eh bien, ils sont accessibles. Ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. Et puis, la dernière remarque de Christophe également à la fin sur la jonction. J'aime bien l'expertise du marketeer qui amène ce social selling expertise à l'équipe de vente. Je crois que c'est absolument fondamental parce que on est au Social Selling Forum. Et effectivement, les vendeurs ne sont pas toujours les meilleurs quand il s'agit de faire du social selling. Pour moi, c'est les marketeurs qui sont nuls en social selling d'ailleurs, mais personnellement. Mais vas-y, Philippe, un dernier mot avant que je pose la question. Je voulais remercier Yves de répondre à ma question, parce que quand je disais au service du client, enfin au service du commercial, etc., vous n'avez pas répondu en fait à ma vraie question. Quoi. Vous êtes resté dans une posture, oui, mais tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit au niveau du marketing, je ne suis pas ton larbin, etc. Mais mon besoin
était « Je ne suis pas satisfait des contenus que vous me fournissez dans une approche multidécisionnelle. » Ça, c'était mon besoin. Ça, les commerciaux savent mieux le faire que le marketing. Hein. C'est-à-dire écouter la demande et pas se focaliser sur l'attitude. Nous, on est obligés de s'adapter à des dictats des patrons qu'on rencontre. Quoi. Et on se focalise sur la douleur et pas sur l'attitude. Ne réponds pas, Cécile. Ne réponds pas. Par contre, regardez. Attendez. Ah oui, vas-y, Loïc, pardon. Non, il y avait Ronan qui rigolait, là, tu vois, parce que lui, c'est un commercial qui travaille avec Christophe, qui, lui, est marketing. Alors, Ronan, tu rigolais. Pourquoi tu rigolais? Vas-y, mets ton micro. Mets ton micro, Ronan. Mais mets le micro. Vas-y, dis quelque chose. Peut-être qu'il a raconté des conneries, Christophe. Vas-y. Non, il n'a pas raconté de conneries, non. Bon, non, tu rigolais pourquoi, alors? Non, mais sur Netflix. Ouais, il était sur Netflix. Ah, bah, j'avais pas vu qu'il était en train de regarder autre chose. Il discutait. Bon, alors attends, on va essayer. Yves, vas-y, termine Yves, et ensuite on répond à la question d'Olivier. Ah oui. Voulais, dans le sens de Philippe, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. je voulais dire, j'ai fait 74 trimestres chez Cisco, et effectivement, j'ai pesté sur le marketing toute ma vie, toute ma carrière chez Cisco, parce qu'on m'amenait des trucs dont j'avais rien à faire, des fiches produits dont j'avais rien à faire, des descriptions de solutions dont j'avais rien à faire, qui étaient techniques, qui étaient boring. Ça n'existe plus, ça, faut arrêter. C'était le passé. Et ce que J'espère que ça existe moins, mais vraiment. Mais je ne suis plus chez Cisco. Bon, mais chez Cisco ou ailleurs. Oui, ouais. Moi je vois qu'il y a encore un schisme même entre la com et le marketing dans certaines sociétés. Bien sûr. Voilà, tu vois, même entre marketing et com. Hein. Bon. On peut reprocher beaucoup de choses à Cisco, mais ils ont quand même un service marketing qui est largement le meilleur chez les constructeurs aujourd'hui. Oui, mais non, je suis d'accord pour faire le brand awareness, comme on dit en bon français, etc. Mais pour aider le commercial à se dépatouiller dans son trajet de vente, C'est one size fits all quand même. Voilà, c'est ça que je veux. Ok, alors, attendez. Yann, tu te souviens des trois questions d'Olivier? Oh oui, je m'en souviens parfaitement. Alors, tu réponds aux trois questions d'Olivier, comme ça, regarde, il aura encore le sourire ce soir, comme chaque jour. Mais bien sûr, je n'en doute point. Première question, c'était la collaboration. Comment on peut générer cette collaboration pour produire du contenu? Ben, c'est un bon point, parce que, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si on essaye de produire le contenu tout seul ou sur deux ou trois personnes, on voit ça souvent dans des boîtes, on met le blogueur vedette, et puis alors c'est lui qui fait tout. D'ailleurs, on se demande ce qu'il fout d'autre, parce qu'il passe son temps à faire ça. Et donc ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que du coup, on n'a plus un blog de leadership d'opinion, comme nous a expliqué Cécile. Mais on a un blog de Marcel ou de Joseph qui est devenu l'expert maison et qui sait tout. Et puis alors, le jour où Joseph a été chassé par la concurrence, eh ben, on a tout perdu. Et donc, c'est stupide. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors moi, j'ai une technique qui est très, très simple. Et encore une fois, c'est très pragmatique. Ce qui détermine que le marketing le leadership d'opinion en vente complexe est bon ou mauvais, c'est l'expert. L'expert, celui qui a quelque chose à savoir. Et l'expert, c'est qui? C'est n'importe qui sait quelque chose. Et il peut être n'importe où. Et ça m'est déjà arrivé, même très souvent dans l'entité B2B d'Orange quand j'y étais, d'aller chercher des gens qui étaient hyper pertinents, hyper pointus dans le grand public, par exemple. Dans une entité qui avait strictement rien à voir avec ce qu'on vendait, parce que c'était juste quelqu'un qui avait une compétence, mais bon, il avait le même logo au-dessus de sa tête, c'était pas exactement la même entité, la même filiale, le même machin, mais tout le monde s'en fout, en fait. Et d'aller chercher sa compétence, et le gars, il allait amener sa compétence sur, j'en sais rien, la containerisation, ou je ne sais quoi, un truc très, très pointu. Et du coup, de facto, il conférait son expertise à l'autre entité qui n'avait rien à voir avec lui. Et ça crée des ponts entre les différentes entités. C'était très, très riche. J'ai toujours travaillé comme ça. Ce qui fait que, du coup, je n'ai jamais passé mon temps à chercher du contenu. Il y en avait plein qui arrivaient parce que une émulation. Et alors après, la question suivante, c'est est-ce que je peux aller chercher des commerciaux? Est-ce que le commercial doit produire du contenu? Ben, stricto sensu, non, il n'est pas obligé. Hein, c'est pas, comme l'a dit notre ami Messier, il dit c'est pas forcément... la personne que le client attend, mais
en vente complexe. Il n'est pas du tout, encore une fois, c'est de la vente complexe. On n'est pas dans la vente de... Hein, on n'est pas en train de pousser des machines à laver. C'est vrai que si, en plus, j'ai quelqu'un qui est un vendeur, mais qui est plus qu'un vendeur, qui est une sorte de vendeur consultatif, et puis qu'il a un point de vue sur le domaine et qu'il a une vision à amener sur le sujet, mais mon garçon, vas-y, exprime-toi. Il n'y a aucun souci. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui fait foi dans ce domaine, c'est l'expérience, c'est l'expertise. Qui que tu sois, où que tu sois, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut travailler. Enfin, à mon avis, c'est comme ça que je l'ai appliqué. Ça marche très, très bien. En plus, ça crée souvent une émulation interne. Et alors, je réponds donc à la dernière question qui était, est-ce qu'on peut aussi faire intervenir l'électorat et les usagers? Mais bien entendu, et les partenaires, les channels, les revendeurs, les... qui que ce soit. Mais ça, il y a un moment, on avait lancé... le baromètre du... Non, pas le baromètre, le label des blogs B2B. Et on a cherché tout un tas de gens qui étaient sur nos sujets marketing B2B, ou sujets high-tech B2B plutôt. Et on échangeait sur, je ne sais plus, c'était le Green IT ou des choses comme ça, enfin des trucs qui étaient quand même assez pointus. Et les gens étaient super contents de partager leur contenu sur nos plateformes, puis nous on allait écrire des articles chez eux, et tout le monde avait son petit logo label du blog B2B, c'était très sympa. Donc ça crée une émulation aussi, okay. Fantastique. Et alors la question numéro 2 de Olivier. Le learn marketing, oui. Pardon ? Le learn marketing, je t'avais demandé également. Le learn marketing. Oui, c'est la deuxième question. Dans les contenus, c'est ce que j'ai dit, il y a une acception large du contenu. En fait, on pourrait passer... une fois, j'avais mes élèves qui m'ont dit « Mais quelles sont les différentes formes de contenu ?» On a commencé un après-midi, on n'a jamais fini, on n'a jamais terminé. En fait, il n'y a pas de limite. Et bien entendu, la formation est un contenu. D'ailleurs, on est en train de préparer une formation avec Yves sur ce sujet de la vente complexe, qui s'appelait « Comment surnager dans la vente complexe sans trop transpirer ?» un truc dans le genre, je ne me souviens plus exactement. Mais... Et effectivement, c'est un moyen de faire du contenu, une stratégie de contenu au travers de la formation, bien entendu. Merci. Alors c'est bon, maintenant, il y a une autre question, il y a une dernière question pour les panélistes qui est, est-ce que le Covid ou est-ce que le chaos dans lequel on est rentré, on va continuer, va faire disparaître certains types de commerciaux? Puis je rajouterai pourquoi pas aussi de marketeurs. Hein, mais voilà, c'est ça la question. Et puis alors, comme Jean-Philippe nous a rejoint, il était parti, il revient, voilà. Jean-Philippe, tu as la réponse, vas-y. Est-ce que le Covid va faire disparaître certains types de commerciaux? C'est une bonne question. En tout cas, il y a une redéfinition. J'étais avec des commerciaux il y a 10 minutes, justement, et on se pose la question. Il y a une question de compétences. Aucune des entreprises avec lesquelles j'échange ne me dit « j'ai revu ma grille de compétences, mon référentiel de compétences RH pour recruter des commerciaux ». Pourtant, des commerciaux un peu plus, les commerciaux les plus extravertis sont peut-être meilleurs en présentiel, et des commerciaux un peu plus introvertis sont peut-être meilleurs à travers un écran. Donc, il se pose aussi des questions de savoir qui vend. Aujourd'hui, on met des étiquettes sur les gens, on dit communication, marketing, sales, etc. Mais qui vend? Quand on est à travers un écran et que Cécile Payard vient, bonjour Cécile, bonne année, et intervient pour aider une vente de son entreprise, eh bien, on la remercie, c'est peut-être elle qui a réussi à convaincre que le produit était digne d'intérêt. Quand c'est mon directeur qualité qui vient répondre à des objections sur la qualité, qui vend? Voilà. Donc, quels sont, et puis qui fait du marketing? Tout à l'heure, il y a eu ce grand débat auquel j'ai partiellement participé, de dire ce sont les commerciaux qui vont driver et dire au marketing et à la communication les informations dont nous avons besoin. C'est ce que j'ai toujours fait pour ma part. Quand j'étais en poste dans des grands groupes, j'ai toujours drivé le marketing pour répondre au mieux à mes clients. Mais alors, qui fait le marketing? Donc, les compétences changent, les métiers changent. C'est un grand débat. Philippe, c'est quoi les types de commerciaux qui peuvent disparaître maintenant? Les individualistes. Oui, tout à fait. Oui. J'ai pas entendu donc. On n'a pas entendu. Les individualistes. Oui, les individus, oui, ça certainement. Donc là, c'est la vente va de plus en plus collaborative. Ça, je l'explique dans mon prochain bouquin.
Mais ce qui va clairement disparaître, pour moi, c'est les vendeurs nomades qui font du farming, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de la gestion de la clientèle, ça c'est terminé, quoi. Donc Covid les aura balayés, ça va coûter moins cher, ça sera plus efficient. Donc je suis assez en phase avec ce que Jean-Philippe vient de dire. J'aurais juste un petit bémol. Enfin, moi, quand je regarde la TV, les gens qui traversent l'écran, aussi bien que ce soit les séries, des animations, etc., c'est plutôt des gens potentiellement extravertis plutôt qu'intravertis. Et donc, je pense que les commerciaux sont des gens quand même qui sont un petit peu différents, qui savent faire bouger les lignes. Et je pense que cette compétence de pouvoir faire bouger les lignes à un moment donné, c'est hyper important. Et donc, je ne pense pas que ce soit les profils les plus introvertis qui vont réussir ça. Mais bon, l'avenir, ce n'est pas moi qui ai raison. Thierry, c'est quoi les commerciaux? Quel type de commerciaux vont disparaître? Je vais faire une réponse un peu, peut-être un peu bateau, mais c'est ceux qui ne vont pas réussir à s'adapter aux méthodes. Et donc, Cécile parlait d'individualisme, c'est évident. On voit bien au cours de ces deux heures qu'on ne fait plus de vente seule. Quoi. Et c'est justement le thème. Et donc, ceux qui remettre dans leur cocon vont disparaître les premiers, mais c'est surtout être capable de s'adapter aux méthodes. Ça va pour, on parlait d'introverti et d'extraverti. C'est vrai que la visio va changer le rapport, va changer le rendez-vous, en tout cas les premiers rendez-vous, et il va falloir s'y adapter, qu'on soit introverti ou extraverti. Oui. D'accord. Cécile, même question, hein. Pardon, j'ai un problème avec un chat qui me perturbe là, parce que c'est l'heure des croquettes. Tu disais le commercial, ben j'ai répondu, le commercial qui va disparaître, c'est celui qui fonctionne à l'ancienne tout seul dans son coin. Et donc la place est au collectif et c'est très bien, c'est plus marrant. Christophe, tu peux compléter ? Vas-y, mets ton micro. Oui, alors moi j'ai fait un petit commentaire dans le chat. Pour dire qu'en fait, je constate le renouveau d'un nouveau type de commerciaux qui sont des commerciaux en ligne, qu'on appelle des inside sales, qui font mûrir les leads que le marketing détecte. Donc, leur boulot, c'est finalement de faire beaucoup de choses en ligne avec assez peu de valeur ajoutée. Et une fois que le projet se précise, ils servent ça au commercial de conclusion, on va dire, hein, commercial terrain, qui va aller conclure la vente. Donc, en fait, je pense que la fonction commerciale risque de se couper en petits morceaux. Après, il y a un autre aspect sur lequel je ne suis pas encore sûr de moi, c'est le commercial dédié à une solution, enfin spécialisé. Ouais. On a connu les deux. Ouais. C'est très juste. Donc, est-ce qu'on a, sur un même compte, on va avoir un spécialiste décommunifié, un spécialiste de la sécurité, etc. Ou est-ce qu'on met un commercial qui fait tout et on le fait supporter par des consultants? Aujourd'hui, on est plutôt sur le dernier modèle que je viens de dire. Oui, alors moi je vais te dire une chose, je pense au contraire qu'on va arriver, on va revenir à un commercial entre guillemets unique et non plus à un saucissonnage entre les SDR, les account exec, les customer success manager, tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les startups à succès des 10 dernières années dans le logiciel ou dans le SaaS. Je pense qu'on va revenir au contraire à une relation client de plus en plus tenue par des humains qui vont pas se saucissonner en plusieurs rôles, en plusieurs petits bouts pour être plus efficace, soi-disant. Voilà mon avis et je l'ai même écrit dans mes prédictions. Et pour une fois que je dis quelque chose. Loïc, est-ce que je pourrais prendre la parole après? Non, mais pour une fois que je parle, laisse-moi parler. ils sont terribles ces gars-là. Je parle et deux je minutes. Je n'interviens jamais. Mais attends, toi, t'es pas intervenant. Tu lèves la main et ensuite tu poses une question. C'est ce attends. Que tu peux faire. Non. Tu lèves la main, oui. Tu sais pas. La main virtuelle. Vas-y. Qu'est-ce qui voulait me répondre parmi les panélistes? Vas-y, Cécile. Je voudrais aller dans le même sens que Christophe. Juste préciser, on parle de vente complexe, donc souvent multi-expertise. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de demander à un commercial d'être hyper spécialisé en cybersécu, en cloud, en smart data, en infogérance. Et de fait, les dossiers, ils sont de moins en moins mono-spécialités, entre guillemets. Donc oui, on va en fait chasser en meute et c'est normal et c'est très bien comme ça. Mais c'est très paradoxal, on a besoin de gens qui peuvent comprendre un besoin global et en même temps on a besoin d'hyper spécialistes parce que un mec n'ira jamais à un niveau de précision en matière de cybersécu
s'il n'est pas un minimum spécialisé dans le sujet. Donc, Oui, alors ce n'est pas ce que Christophe a partagé, c'était le SDR qui commence, le marketing qui commence, le SDR qui continue, ensuite l'account exec. Et là, il n'y a pas de différence. Là, il n'y a pas de différence de spécialisation. Ce n'est pas une question de spécialisation. Non, mais il en a parlé après, c'est à après. Ça que je faisais référence. Voilà, et moi je faisais référence à la première partie dans laquelle on a saucissonné le rôle d'un vendeur en plusieurs étapes par rapport au cycle de vente en se fichant complètement du client. Ouais. Voilà mon avis. Du Customer Success Manager, mais ça devient aujourd'hui un commercial indirect parce que c'est lui qui t'accompagne dans la durée. Moi j'en ai qui s'occupe de moi en tant que marketeur et ça me permet de favoriser le renouvellement. Donc ils ont aussi un rôle de commercial. Ok, excusez-moi, j'aurais pas dû réagir d'ailleurs parce que normalement je ne veux rien dire dans ces trucs-là. Je m'en excuse, toutes mes excuses à Yann. Alors Yves, est-ce que je t'ai posé la question? Quel est le commercial qui va disparaître? Non, tu ne m'as pas encore posé la question, je reprendrai certaines choses. Le lonely cowboy, clairement, hein, donc l'individualiste, il n'y a plus de place pour lui. Je crois que le pur relationnel, il est un peu en porte-à-faux. Donc le gars qui joue au golf et qui va au resto. Ça va devoir être un peu autre chose. Et puis alors celui ou celle qui se cache un peu trop derrière son logo. Donc le commercial, il va devoir un peu venir en front scene, au devant de la scène, et avoir un contenu à apporter et jouer un peu le chef d'orchestre. Je crois que c'est ceux-là qui vont s'en sortir. Les autres, ils vont avoir du mal. Yann, avant que tu ne partes, Yann, dis-moi. Non, je ne pars pas, je me lève pour éviter de m'ankyloser. Est-ce que le Covid va faire disparaître certains types de commerciaux? Et si oui, lesquels? Depuis le temps qu'on veut faire disparaître les commerciaux, et on les fait disparaître, ils reviennent. Je pense que... un vœu pieux qu'autre chose, mais si on pouvait faire disparaître les bourrins, ça serait un soulagement. Je pense que les bourrins vont se suicider tout seuls parce que la signature là, ils sont derrière leur ordinateur, ils s'emmerdent, ils n'arrivent pas à avoir des clients, ils bourrinent de plus en plus. Ça devient même Philippe de Liège est bourriné, donc tout le monde est bourriné. Et je pense qu'à un bout d'un moment, ils vont exploser parce que quand ils verront qu'ils n'auront plus aucune réponse, ils vont exploser. Arrête de tambouriner. Voilà. Mais ils reviendront parce que le bourrin, ça a des ailes, un bourrin. Malheureusement. Merci. Je vais passer la parole à Christian qui est dans l'assistante, qui est un participant ici, qui va poser sa question. Oh, j'avais pas de questions à poser, j'avais juste des affirmations à porter, mais bon. Vas-y, affirme. Voilà. Alors donc, effectivement, on parle d'individualistes. La question a été posée par Jean-Philippe, est-ce que un vendeur de l'ancienne époque, un très bon vendeur était quelqu'un de charismatique, d'extraverti, et que quelqu'un qui fera de la visio-vente, vendre à travers un écran, sera moins charismatique? Moi, je dis que non. Parce que nos cerveaux à nous, Homo sapiens, ils ne sont pas digitalisés, on reste des êtres humains. Alors, il y a des gens qui seront charismatiques, très qui vont réussir à travers un écran, d'autres pas. Donc, tout est une question de méthode et d'approche. Et effectivement, est-ce qu'il va y avoir un commercial dédié, unique? Moi, je pense que oui. Car grâce à la vente au travers d'un écran, on pourra faire intervenir différentes spécialités en même temps que le rendez-vous. Donc, effectivement, moi, je serais plutôt de l'avis de Loïc. Voilà. Merci, Christian. C'était une très bonne intervention, une très bonne question. Allez, y a-t-il dans la salle encore une question sur le thème, soit du rapport entre marketing-vente ou d'autres, comme Olivier, ou sur les commerciaux qui vont disparaître, ou les marketeurs, d'ailleurs, qui vont disparaître? C'était la deuxième... Non, il y a une question. Valérie, tu n'as rien dit. Béatrice, tu n'as rien dit. Nathalie, tu nous regardes depuis tout à l'heure. Aucune réflexion, aucune question de votre part, mesdames? En plus, on n'a pas assez de femmes dans le panel, donc ce serait bien que vous ayez des... Ouais. Non, vas-y, Jean-Philippe, alors. Non, moi, j'ai une question sur la question. C'est le mot disparaître. Est-ce que les commerciaux vont disparaître ou se transformer? Ils vont se transformer, ils ne vont pas disparaître. Bien sûr. On a dit certains types, on n'a pas dit que les certains types, pardon, certains types. Excuse-moi. Avant de se poser la question de savoir s'il y a des marketeurs qui vont disparaître, on pourrait se demander s'il n'y a pas certaines boîtes qui vont disparaître. Parce que là, je pense que la réponse est oui, clairement. Il va y avoir du ménage.
ça commence déjà. Hein. Il y a des zombies. Béatrice a dit quelque chose de très juste dans le chat. Et c'est marrant parce que je me décris comme ça. Le bon commercial est chef d'orchestre de l'entreprise. Je ne sais pas si tu veux développer, mais c'est tout à fait ça. Je pense que c'est quelqu'un qui sait animer l'équipe pour répondre à un besoin client qui est complexe. Exactement, parce que comme vous l'avez dit, un commercial ne peut pas tout connaître sur tout, mais il doit avoir le vernis de tout ce que fait sa société et savoir quelles sont les personnes qui sont compétentes et qui vont pouvoir l'aider à finaliser sa vente. Après, ça doit être lui qui connaît mieux le client, qui connaît mieux son entreprise, donc c'est à lui d'animer les débats. Exactement, c'est lui qui centralise et qui mène, qui mène tous les intervenants de sa société, qui est le vrai c'est le chef d'orchestre, tout simplement. Il n'y a pas d'autre définition, de toute façon. Ben, merci beaucoup, Béatrice. Tu vois, mais de rien. Merci, salut. Renan. Hein, tu as réussi à l'animer, Béatrice. Je n'ai pas réussi. Moi, voilà. Bon, écoutez, messieurs, dames, on va terminer cette session-là par un petit tour de table des panélistes pour que vous nous donniez votre dernier mot sur le thème général. Vous dites ce que vous voulez, stratégie de contenu en vente complexe. Hein, c'était ça le sujet du moment. Donc, je vais commencer par Cécile. Tiens, allez, hop. Bon. On a parlé de. Je suis désolée, je ne suis pas toute seule là. Montre-nous ton chat. Montre-nous ton chat. Il est très beau, il a très faim surtout. On a parlé de stratégie de contenu et en fait, quand on parle de contenu, on parle. On parle de création d'expertise et d'experts. Il y a un sujet qui a été affleuré là et on ne l'a pas traité, mais il est super intéressant. Quand on crée des experts, effectivement, on peut se mettre un petit peu en danger. Donc, jusqu'où on va dans la personnalisation et quel curseur on met entre la marque de l'entreprise et la marque personnelle de l'expert ou du vendeur. Et ça, en prestation de services intellectuels, en B2B, c'est super important. On en parle quand même assez souvent. Je vais vous laisser. On en parle quand même assez souvent, je pense, au Social Selling Forum. On n'en a pas parlé sur les deux heures. Enfin, ça a été abordé, je ne sais plus par qui, par Yann, je crois. Et c'est un vrai sujet, mais on ne peut pas le régler que dans un sens ou que dans l'autre. On ne peut pas cacher le vendeur derrière la marque. On ne peut pas l'empêcher de grandir non plus, de se faire connaître. Mais c'est vrai que si on ne fait pas gaffe, le jour où il part, on est mal. Merci. Alors Thierry, ton dernier mot. Justement, je rebondirai sur ce que vient de dire Cécile. C'est exactement ça. Et j'ai le plaisir, et ça va être la session de demain d'ailleurs, mais j'ai le plaisir d'accompagner... pas mal de commerciaux, alors c'est pas forcément en vente complexe, hein, mais là de commerciaux qui appartiennent à la même société et si on les accompagne, si on les forme, si on les accompagne, on arrive particulièrement bien à les aider à développer leur marque personnelle tout en leur permettant de bien comprendre les enjeux de l'image de marque aussi. Bien sûr. Oui, et en plus, si on arrive bien à emmener une dynamique, eh bien, il y a quelque chose qui se produit qui est super, c'est que même si justement on leur a permis d'être au devant de la scène et s'ils sont chassés, d'une part, c'est vertueux parce que à la société de savoir les garder, ça c'est vachement bien. Et de toute façon, s'ils partaient, la communauté est capable, parce qu'elle a développé sa propre expertise, enfin l'expertise dans les marques personnelles, de combler le trou et de toujours enrichir la société. Ouais. Et ça, j'ai eu un grand plaisir de pouvoir déjà le découvrir à certaines sociétés avec qui je travaille. Voilà. Et demain, il y aura lancé un programme ambassadeur et ambassadrice à 13h. Et à 15h, on sera d'ailleurs avec Jean-François Messier dont vous parliez tout à l'heure. Jean-Philippe, un mot pour terminer. Un mot vidéo, audio. Oui. Voilà. C'est mon mot, j'en ai fait deux. Vendre à travers un écran, visio-vente. Ok, Yves, mot de la fin. Ah ben, mon mot, moi, c'est toutes les grosses boîtes technologiques, elles doivent s'inspirer de ce que les startups font de meilleur et elles doivent suivre ce fil conducteur-là pour vraiment donner un gros coup de pied dans la fourmilière de leurs forces de vente qui sont parfois un peu trop timides et un peu trop cachées derrière un logo qui est peut-être un peu trop imposant. Voilà. Merci. Christophe, ton mot de la fin. Le dernier point, on a parlé du content marketing, mais encore faut-il que nos contenus soient trouvés. Donc, tout ça, c'est lié aussi avec une stratégie de SEO et de diffusion de ces contenus pour qu'ils soient facilement trouvés par l'internaute. Donc, voilà, il y a toute la stratégie web marketing autour à développer.
Eh bien, on en parlera encore, d'ailleurs aussi avec Jean-François Messier, y compris vendredi et demain. Philippe Deliège, ton mot de la fin. Oui, deux réflexions très courtes. Jamais plus je ne commencerai par un compliment à une dame, parce que le retour de manivelle est violent. Deuxième chose, je dirais que, répondre à la question, je dirais quel est le commercial qui va survivre, c'est celui qui sera connu d'avance, quel que soit le contenu. Ah oui, d'ailleurs, je vous suggère vraiment d'écouter le replay de la session de lundi de 13h à 14h avec Philippe qui nous a fait une super conférence. Il y a eu un très beau débat derrière aussi. Hein. Et Yann, c'est toi qui as le mot définitif de la fin avant qu'on applaudisse tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est définitif. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur un point finalement qu'on a occulté ici. On a dit que finalement, il fallait décloisonner et travailler en équipe pour mieux être ouvert vers les clients, être servi, pour ne pas dire servir les clients. Je pense qu'il y a un truc qu'on a complètement zappé, c'est que pour pouvoir réussir ça, il faut revoir complètement les plans de commissionnement. Ah oui, plutôt sûr. Que de sauter sur sa chaise en disant les marketeurs, ils ne savent pas ce que c'est un client, commissionnez-les sur les ventes, vous allez voir, ils vont vite apprendre. Ouais. Ne me lance pas là-dedans. Alors moi, je vais vous dire une chose. Ma conclusion, c'est il faut être au service inconditionnel des clients et de tout son écosystème, pas que des clients d'ailleurs. Donc moi, je dis bien, il faut être au service inconditionnel de ses clients, de son écosystème, de ses fournisseurs, de ses collaborateurs, etc. Voilà mon avis. Et lisez un livre qui s'appelle L'entreprise altruiste, et puis on en rediscute après. Voilà, mais c'était mon petit truc. Merci beaucoup. Alors, on vous applaudit comme ça. Hein. Ceux qui sont encore là, voilà, merci. merci, mesdames, qui avaient, et merci, messieurs. Et puis, donc, on continue demain, dès 13h, comme chaque jour, jusqu'à vendredi 19h, avec des sessions assez intéressantes encore. Hein. Celle-là, c'était bien sûr la meilleure de toutes, évidemment, etc. Si vous nous regardez encore en streaming, merci à vous. Et puis, à demain, 13h. Nous vous disons au revoir. Au revoir.